Bon. Et bah ça continue à bien se passer. Sinon le jeu est vraiment trop bien. Ah ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais très bonne découverte. Mais c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. C'est pour ça que je suis content de restreamer, mais du coup restream le soir. Parce que le moment où je live l'après-midi, tu vois, par exemple, ce mercredi après-midi, je vais faire du club pro, où c'est cool, mais c'est pas la même chose que lancer, découvrir un jeu avec vous et tout, tu vois. Ça, c'est un jeu, c'est difficile. Oh non. Oh, j'espère que j'ai pas tout perdu. Quelqu'un essaie de nous voler, ils sont venus en force et armés, mais nous avons réussi à les repousser. Nous étions tous, par chance, nous étions tous armés, aucun d'entre nous n'a été blessé. On a utilisé juste 3 balles pour les repousser. Rien à foutre, hein. Mais genre, c'est cadeau, quoi. À faim. Alors là, tu vas pouvoir nous faire à bouffer, hein. À très faim, à besoin de repos. C'est bien, Pavel. Bravo. Ah non, mais là, on va pouvoir se mettre méga bien, là. Il me reste combien de balles? Genre 17, je crois. 17. Bon alors, Bruno. Bruno, tu vas où? Tu vas fumer une clope, là. Là, Bruno, je te voyais typiquement partir en fumage de clope. J'aime pas trop ça. Là, tu nous fais un double ramen, là. Allez, ça part sur de la grosse bouffe, là. Ah, c'est ça, l'établi, d'accord. Donc, l'établi, c'est ça pour craft les armes. Et ça, on s'en fout d'améliorer ça, qui est l'atelier? Améliore la cuisine. Je pense que c'est important. Ah, fin. Très fin. Bah, prends ton petit bol avant de... Nous avons besoin de nourriture. Ah, en vrai, ça va, on est bien, hein. Alors, déjà, Bruno... Quasi tous les soirs, ça sera ça. Il y a un événement vague de criminalité que tu as pas vu en regardant le chat. Ah oh, merde. Je voulais faire quoi, moi? Je voulais faire ça. Et je suis toujours autant dans la merde, du coup, ça ne change rien. Bon plaisir, ça. Et ça, mais il me faut 26 boulons, quoi. Le truc, c'est que 26 boulons, technique. Mais je peux jamais rattraper, je peux jamais avoir 26 boulons. Mais juste, quand on fait un calcul assez basique. Je peux emmener 12 trucs. Enfin, j'ai 12 places. Si, ouais, je peux amener 40 si je trouve que du boulon, quoi. Bon, niveau bouffe, là, ouais, on est bien, j'ai l'impression. Là, je pense, concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on se... J'ai plus trop de boulons, quoi. Ma galère, en vrai, maintenant, c'est les boulons. Elle n'a pas détruit la chaise. Incapable de commencer la journée sans une tasse de café. Ah, on a déjà vendu, non. Restez chez vous et fermez vos portes. Des groupes armés ont envahi les rues. Ah, c'est Tug, là. Hein. Ah bah, elle a pas cassé la chaise, ouais, on va la péter. Pas en améliorant l'atelier que tu pourrais avoir des places supplémentaires dans tes sacs. Non, mais c'est du troll, je crois, les places supplémentaires. Je pense qu'il est bien de l'avouer, désormais. Là, faut t'équiper. Bah ouais, mais je suis un peu en mode, bon, de quoi j'ai besoin, tu vois. Connaissant pas trop, bah je peux aller me rouler des petites clopes. Je sais pas si ça va beaucoup servir, hein, mais des petites clopasses. Il te faut le piège à rat. Ouais, en fait, ça, j'aimerais bien tourner en flux tendu, tu vois. Vas-y, roule-toi une petite clope, toi. Ça va te faire du bien. Il y a un perso qui a plus de perso, truc de base. Tu as barricadé ta maison. Bah, c'est pour ça en fait que je veux passer niveau 2, comme ça je peux barricader plus. Là, j'ai 3 barricades. Cuisinière et distillateur pour avoir de l'alcool à trade. Ouais. Ouais, mais là, est-ce que j'ai envie de trade là? Là, j'ai envie de récupérer du boulon, quoi. 15 degrés, on n'a pas besoin forcément de se mettre d'autres trucs. Si on regarde un peu le stuff, on a quoi ça? Des déchets organiques que nous pouvons utiliser comme fertilisant dans notre jardin. Il nous faut un jardin, quoi. On peut faire quoi d'autre avec ça là? Je peux faire des bandages, je peux faire des clopes, quoi. Un peu la flemme de faire des clopes. À faim. À faim. Tout le monde a faim. J'attends qu'ils aient très faim ou. Je peux utiliser le fertilisant en appât pour les rats. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, je pense que je vais attendre le très faim maintenant. Jardin de plantes. A l'aide de fertilisants, il est possible de faire pousser des plantes utilisables pour confectionner des... Ah ouais, mais moi j'ai envie de... J'ai envie de faire un petit jardin, là. Là, on se dit, c'est quoi l'objectif? Là, je pense qu'il nous faut un objectif. Il te faut tout le temps de la bouffe et au bout d'un moment que tu pourras pas en trouver, donc trade sans... Donc spam l'alcool et utilise-le quand tu troques. Ah, d'accord, ouais, donc au bout d'un moment, en fait, le distillateur est intéressant. Donc on fait peut-être le distillateur en premier, ce qui nous permet, j'avoue, d'avoir peut-être une bouteille d'alcool dans le sac.
Jardin, tu dois améliorer l'établi. Ok, donc concrètement, c'est ça. Et améliorer l'établi. Il nous faut full boulon, full planche de bois. Et au passage, j'aimerais bien avoir un deuxième piège à rat qui serait assez bien. Parce qu'une fois qu'en fait on a des pièges à rat, ils peuvent tourner quasiment. On en remet un quoi. Donc deux petits trucs en plus. Full boulon, deux petits trucs en plus. Ok. Bah ça va full boule, hein, comme on appelle ça. Tout le monde a faim, bah c'est la vie, hein. Il me faut 34 boulons, t'as calculé? Pas mal. Bon calcul au passage. Pavel, hein, je crois. Hein. Ça va monter la garde, Bruno. Ça va dormir un peu, Katia. Je vais pas déplacer le piège à rat. Honnêtement, il change rien, je crois, l'emplacement. Alors, là, il nous faut des quantités énormes de matériaux. Quantité énorme de matériaux, c'est le chantier de construction. Quantité énorme de matériaux, c'est la place centrale. La place centrale a l'air pas mal et je pourrais envoyer Katia pour faire de l'échange. Est-ce qu'on a besoin d'échanger ou pas? Supermarché pour la meuf. Ah, supermarché, on a déjà visité, hein, il y a déjà. La place pourrait être pas mal et on pourrait échanger, mais est-ce que. Là, ouais, mais on a déjà vu ça. C'est bien de voir des nouveaux trucs aussi, quoi. En fait, go à poil pour la meuf. Attention, sniper. Il y a des snipers là? Il n'y a pas un sniper sur la place? Chantier. Chantier, c'est full ressources. Juste, c'est dangereux. Mais du coup, j'envoie Pavlov là. Pavel. Je l'envoie avec un couteau. On prend un couteau, c'est dangereux quand même. Ou je prends la calache. C'est chaud de prendre la calache, hein. Je pense qu'on est obligé de prendre un couteau. La calache, on va crever, quoi. Il faut pas qu'on ait d'affrontement. La calache, si on tire, c'est fini. Si on tire, je pense qu'il faut. Et encore, ce qui est chiant, c'est que du coup, en prenant le couteau, on est con, c'est ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû refaire dans l'établi un deuxième couteau, ce qui fait que nos deux mecs auraient été armés. La nuit. Ouais. La calache, je pense que c'est bien de la laisser, ouais, pour que les mecs se défendent. En effet, en effet. Promoteur à. Bon, alors. Bon, faut qu'on y aille en soum-soum, hein. Si tu tues des bandits, tu gagneras du moral. Un peu de bois là, apparemment. Okay, pas grand-chose pour l'instant, au visu. D'accord. Yes. C'est bon ça. Comment je fais pour descendre là? Est-ce que je peux. Ah, on peut sauter ici directement, ok, j'étais pas sûr. Voilà, un peu de boulon, un peu de bois. Ça, c'était un sniper. Mais c'est. Ça, c'est quoi? C'est un sniper, ça? Genre? Le truc là, là? C'est technique, hein, quand même, en vrai. Hein. Là, ils sont tout en haut, attention, ils bougent. Putain, mais là, ça va charcuter, non? Oh, c'est vénère au chantier, hein. Belle découverte, ce jeu. Mais ouais, je vous dis, on passe toujours des bons moments. Sauf si le jeu me saoule, j'arrête, tu vois, donc. Donc, du coup, ça fait que quand on joue à un jeu bien, c'est qu'on l'a bien aimé. Là, pour l'instant, on n'est pas mort, hein. Nuit 12. Y'a rien à visiter, on va monter en haut. La place, ça avait l'air propre. Ouais, mais très. Bah, c'est pareil, c'est très sniper, quoi. Et c'était plus sur de l'échange, la place. Là où en vrai, là, on a juste besoin de ramener que du boulon, quoi. Tu vois, genre. Je prends tout le bois, là, mais. Là, j'ai encore deux places de boulon, si jamais. Je vais faire attention à pas trop monter là-haut, hein, je pense. Ça peut devenir dangereux, en vrai. Hein. Oh, j'ai cru que j'étais mort. Avec la balle. Oh, j'ai parano. Est-ce qu'on prend pas moins de bois? Et plus de boulons. Est-ce que je remonte en haut ou pas? Ça devient chaud. Hein. En vrai, j'ai ce qu'il me faut là. Hein. Je pourrais gratter un peu moins de bois et avoir encore plus de boulons quoi. J'ai combien de boulons là du coup?
5. 5 fois 4, 20. Donc il m'en manque 14, quoi. Un peu d'engrenage. Oh, c'est chaud de monter. Oh, c'est greedy, hein. C'est greedy, je vais prendre une balle. C'est un destin, mais on met papy sur un bateau. Oh, je grid juste ça. Oh, c'est si greedy. Oh, j'aurais pu faire mieux avec... Oh, il est juste là-haut, là. On descend, on descend, on descend, on descend. J'ignore comment aller là-bas, je sais pas gros, là, 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 par là, par là. Goal tué, non, je tue personne, là. Hein. J'aurais pu faire mieux avec 3 boulons de plus, etc. Non, non, je le tue pas, les gars. Genre, je suis au couteau, là. Hein. Il a un sniper, hein, c'est-à-dire que... on n'est pas dans du lancer de Tomahawk, là. Bon, parfait. Honnêtement, ça nous a mis bien. Ouais, je sais que j'ai un raccourci, je suis descendu juste en bas comme un con. C'est quoi le jeu? C'est merde, The War of Mine. Putain, je les appelle J'ai réussi à chaper. This War of Mine, putain. Quel plouc. Ok, on s'est pas fait attaquer. Parfait. Là, on va s'améliorer un truc. Bon, déjà, besoin de repos. J'ai pas besoin de repos, alors mange. Toi, non, non, toi, dors. Seulement j'avais quitté la ville. Légèrement malade. Ah. Bon. Alors, prends-toi un petit... J'aurais dû dormir la nuit dernière. J'avais pas non un peu de rab. Très fin, toi. Faut pas respirer. Ne perdons pas l'espoir. Il va se prendre un petit médicament. Voilà, sous-médicament. Et là, il va se faire un peu de... Pas trop nous péter les couilles non plus, lui, hein. On a des filtres encore? On a plus de filtres parce que ça prend des boulons. J'aime. Je fais le piège direct là, vous pensez? Ah non, dans le piège il y a de la. Ok, il y a des trucs dans le piège. Ça, c'est pas hyper rentable quand même. Hein. Mais bon, c'est mieux que rien, mais. La question que je me pose c'est. Est-ce que. Je fais 1 pour 2, c'est toujours rentable. Ouais, non, mais dans le long terme. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on améliore en prio? L'établi? Oh, je pourrais même mettre un petit. Le fertilisant là. Est-ce qu'on a besoin du fertilisant ou pas? Oh, je le mets le fertilisant. On aura peut-être besoin après, mais c'est dans tellement longtemps, j'ai l'impression. Garde. Si important que ça? Après, on n'est pas en galère de bouffe, hein. En vrai, on n'est pas en galère de bouffe, donc je peux refoutre un petit poulet. Hein. Il nous reste encore 2 poulets, il y a 2 soupes, honnêtement, on est très bien. Il y a quelqu'un à la porte. Ok, lui, il va graille. Katia, elle est en full négo. J'ai besoin d'aide, ouvrez, s'il vous plaît. T'es armé, toi? Tu veux quoi? Franchement, vous êtes là. C'est pas celle qui s'est fait violer, là? Qu'est-ce que tu me veux? Je vis près d'ici avec ma fille. Des rumeurs parlent de pilleurs de maison qui violent aussi les femmes. Je peux fermer les portes à clé, mais ils pourraient rentrer par les fenêtres. Pouvez-vous m'aider à les barricader? Mon mari a été emmené par les rebelles la première année de la guerre, il n'est toujours pas revenu. Nous sommes toutes seules. Ah, je suis chaud pour les aider, mais. Les barricades, c'est quoi? C'est genre du. Mais c'est pas. C'est pas. Ah, putain, personne nous aide, nous. Hein. Genre, c'est toujours. Mais du coup, je dois leur filer quoi? Du bois? Je t'ai filé quoi? Ah non, on y va! Ah là, on y va cette fois! Akatu, Akatu. Ok, Akatu. Je me sens malade. Non, on dort toi, là. À faim. À faim. C'est bien, on aura largement assez. Ouais, juste là, c'est dépression, là. Katia revient demain. Alors, du coup, avant. Ça fait un moment que j'ai pas dormi. Tu vas dormir. Mais du coup, qu'est-ce que j'augmente? Est-ce que j'augmente l'atelier de base? L'atelier de base, on en est où? Ah bah, il me manque 3. 3 boulons, putain, c'est con. Ah bah, il me manque 3 boulons pour les deux. Ah bah, merde. Le piège à rat, il me manque 2 ici. Ah bah, je peux faire un distillateur, hein.
peux faire un petit distillateur sinon. Enfin, nous sommes incapables de commencer une journée sur une tasse de café. Y'a de moins en moins de news, quoi. Y'a de moins en moins de news, là. Bonjour à tous, sauf au dégénéré de Sao Paulo. Putain. Ah, elle a essayé, quoi. Elle était naze, mais... Parce que sinon, j'avoue que j'améliore juste mon... Lui, je le fais graille. Et lui, je le fais améliorer la cuisine. En attendant. Mais on va toujours avoir besoin de trucs, du coup. C'est combien pour améliorer? C'est beaucoup, quand même. Je vais mettre cuire de la nourriture plus efficacement. Mais en fait, attends, question sur la cuisine. Ça fait économiser que le truc... Ça fait économiser quoi? L'eau? Parce que si ça fait économiser juste le combustible, c'est le truc le plus facile du monde à avoir. Hein. Donc, pour l'instant, j'en ai jamais eu besoin, quoi. Et c'est 20. J'utilise moins d'eau. L'eau et le bois. Bon. Ouais, on va au petit, quoi. Ouais, c'était le truc le plus worst, quand même. Bon coureur. Bon, Pavlev. Lui, il va se faire des petits bails. Hein. Il va rouler des clopes pour l'autre aussi, là. Ah, mais ça coûte un de ça. Bon, allez, roule-lui 4 clopes, il sera content, l'autre. Au moins, il nous cassera pas les couilles. Il est malade, en plus, il va fumer. Ah, il va nous faire une rhinopharyngite tout l'hiver. Hein. Non, mais là, je te le sens. Il neigera le combustible pour se réchauffer. Ah, c'est vrai qu'on aura peut-être des galères pour... Ça va nous coûter trop, après. De l'amour pour toi, Domi. Mais c'est gentil, ça. Merci pour le deuxième mois, t'es un ado. L'atelier est peut-être mieux. Bah, c'était peut-être pas aussi ce qu'on a fait, mais bon. Allez, vas-y, repose-toi, toi. Elle voulait peut-être fumer une clope, au final. Repose-toi, la bouffe, on la fera après, on connaît. 15 degrés. 15 degrés, ça va, hein. Je mets quand il y a 14, je pense. Bon. Non, lui, il va monter la garde. T'es solo, tu montes la garde. Toi, tu vas collecter. On va collecter où? Toutes les nuits, il va collecter, lui. Hein. Prudence recommandée. On a besoin de... Tu vois, il n'y a plus quantité énorme de matériaux, maintenant. On l'a pillé, là. Quantité énorme de matériaux. Je peux aller en villa en ruine. Je peux aller à villa en ruine. Petit immeuble, il n'y a pas de quantité énorme. C'est de l'arme et de pièces. Villa en ruine. Je cherche du matériau, moi. La meuf, elle est où? C'est fait alpaguer. Danger, ouais, mais danger... Honnêtement, il y a... Ah non, nous, on était où, là? Il n'y avait pas marqué danger quand on était à chantier de construction? C'est quoi les 7% à droite? C'est ce qu'on a visité de l'espace? Ah, j'avais pas vu ça en haut, pardon. Quelques nourritures, beaucoup de mat... Ça peut être bien, ça. Il n'y a pas de danger. En vrai, de se refaire le cottage. De se refaire le cottage en safe. Vas-y, je vais check. Je me prends une pelle et un couteau. Ça peut peut-être être bien. Mais est-ce que ça vaut quelque chose, la pelle? Ah non, c'est le pied de biche qui me baisait. C'est le pied de biche. Non, pas le couteau. Pas de danger, prends pas de couteau. Oh, on est, quand il y a marqué pas de danger, on n'a même pas besoin? Ok. Bon, vas-y, ça va collecter. C'est le pied de biche que j'ai besoin, que je pense qu'il va me bloquer. On va voir. Oh là. Bonjour. Un plaisir, dis donc. Et c'est chez lui, là, non? C'est quoi, c'est un rat, là? C'est un rat, l'animal? Mais j'ai fait ça, moi? J'ai fait ça quand, là? Je me souviens même plus, là. C'est un petit bonheur, ici, en fait. C'est le même rat que tout à l'heure. J'avais eu peur. J'aime bien ce petit rat, moi. C'est la première maison que t'as loot. Je sais même pas, là, mais c'est... Et on descend. On se loot tout, là. Ah, là, c'est pas un rat, ça. Toujours le rat.
Irwinati, merci pour le quatrième mois. Y'a que le rat. Ah, c'est le rat à chaque fois qui me met des pressions. Bon, on va check un peu frigo et tout, mais en vrai, c'est pas mal là. Hein. Et pas de popcorn aujourd'hui. C'est demain, hein, mardi soir. Et ça va être très cool demain soir, donc. Demain 20h. J'ai eu peur, bah ouais, moi aussi. Bon, il galère, il va mettre un petit temps. Sans pelle, c'est la mort. Ouais, c'est un peu long, je vais juste lui faire creuser ça, au moins ça sera fait. Le placard, faudra un pied de biche. Ah, oh, c'est vrai, faut un pied de biche tout le temps. Bon, maintenant qu'on est à la moitié, on le fait, ça sera déjà ça. Hein. Quel invité c'est les. C'est la ligne titulaire demain. La semaine prochaine, ça changera. On aura un invité dans Popcorn. Mais ouais, là, là, il y a eu beaucoup de trucs la semaine dernière. Tout Jimmy Neiman, quoi, là, l'émission. J'ai hâte faire, ça va être très très bien, je pense. Dehors, c'est un cadavre de militaire. Je sais pas. Bon, c'est chiant, du coup, on s'est embarqué là-dedans. Tu vas tomber malade en faisant ça avec les mains. Hein? J'ai mon petit gel hydroalcoolique, hein. On a tout, hein. Oh, Vilia, putain. Ce qui est titulaire, bah, c'est l'équipe Marie, donc... Ouais, là, du coup, je peux pas, là. Voilà, qu'on soit bien, clair. C'est Marie, donc... Sartre, quoi. Bon, il y a vraiment personne là-dedans, donc c'est bien. Tu as parlé un peu d'actu autre qu'Internet. Ouais, ouais, bah, pas que, mais... J'avais besoin de combien de boulons? Est-ce que j'ai besoin de sucre? Non, mais on sait qu'il y a 20 sucres ici. Maison cottage, on sait qu'il y a 20 sucres. Comme ça, on est bien. J'ai pas besoin d'autant de bois. Hein. Laisse le putain de bois. Mais j'ai besoin d'un peu de bois, je crois. Non? J'ai l'impression d'avoir besoin d'un peu de bois. Ok, là, il faudra un pied de biche. Donc, quoi qu'il arrive, ça pourrait être intéressant de revenir. Est-ce que je le ferai pas maintenant? Non, c'est bon. Il nous faut ici cottage de... tu portes 32 boulons. Creuse, t'as le temps. Bon, ça sera la même la prochaine fois que j'y vais, quoi, ce que je me suis dit. Au moins, ça sera réparti. Fais-le, si, fais-le. Ah, ça sera la même la prochaine fois, non? Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça? Ok, j'ai eu peur que ce soit parti en couille. Elle est revenue, notre petite Katia? Bruno a été légèrement blessé. Ils ont volé du poulet et une clope, a aidé notre voisine à barricader sa maison et est revenu sans encombre. Quelqu'un essaie de nous voler, ils sont venus en force et armés, mais ils ont réussi à causer des dégâts mineurs. Nous, par chance, nous étions armés. Bon, toi, va dormir. Toi, légèrement malade. Bah, légèrement malade, On commence à être un peu en galère. Après, je prends à chaque fois. Le meilleur move, ça. Va te coucher, toi. Pas besoin de repos. Alors, va pas te coucher tout de suite, Brobru. Fais un peu à graille avant. C'est du rat, pas du poulet. Bon, c'est la même, maintenant. Putain, il me manque toujours ça. Et du coup, on améliore l'établi, là. Mourir. Il nous manque du bois. Je vous l'avais dit que le bois, c'était important, là. On a 72 de ces trucs de merde, là. Ça nous sert à rien. Bon, de toute façon, il manque des boulons. Ça change rien. Quoi qu'il arrive, ça ne change rien. Ah, il manque des boulons partout. Hein. Ah ouais, il manque des boulons. Oh non, 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 pardon, je voulais dormir. Je te laisse dormir. Il manque aussi des boulons. Bon, il manque tout, il manque tout. Il manque de l'eau. Oh, l'eau, c'est chiant. L'eau, c'est le truc, on n'a pas envie qu'il manque de l'eau, quoi. Pff, ça nous emmerde, l'eau, faut farmer l'eau. L'eau, c'est... L'eau, c'est un cauchemar, hein. Vas-y, j'en fais deux, comme ça on est sûr. Ah ouais, non mais... Fais un deuxième entonnoir. Ah non, parce que du coup, si on fait un deuxième entonnoir, ensuite il va nous manquer des boulons. Là, il nous faut l'amélioration de l'établi, pour une fois. Civil, merci à toi pour le prime, bienvenue. Je peux te dire que là, ça optimise. Hein. Là, ça optimise comme jamais. Hein. Par contre, ça dure combien de temps, une game? Ça dure 30 heures, une game.
Genre si tu... Vous avez déjà gagné une game de ce jeu? Genre fini une game, tu peux survivre? Oh, va falloir réveiller l'autre là. T'as pas fini d'installer, ouais, je sais. Regarde un peu là. C'est là où c'est beau. Elle, elle se lève, l'autre il prend le relais pour dormir. C'est beau ça. Hein. Là honnêtement c'est beau. C'est survie horreur. Non, 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 c'est pas survie horreur, c'est plus survie gestion. Happening, je sais pas trop comment expliquer ça. Alors, qu'est-ce que ça vend là? Est-ce qu'il n'y a pas des petites pièces en métal lui là? Qu'est-ce que je peux t'offrir moi? Le truc c'est qu'il me faut des boulons, mais il me faut des boulons des spéciaux quoi. La bouteille d'alcool, hein, elle ne sert à rien en vrai. Tabac de jardin. Ah, il va vouloir rouler ses petites cloves quoi. Intéressant, vous voulez changer, un spécial mais pas mal. Parce que moi, son médicament, ça m... Après, j'en ai déjà un. En vrai, j'en ai déjà un. C'est peut-être des bandages qui m'intéressent plus. Non, j'ai mis bois, mais c'était... ça, ça peut être bien, ça. Quelle générosité. T'inquiète, on va te gratter. Ouais. Pas mal. Avec une petite clope. Je trouve ça pas mal. Une pile, là, un truc qui nous a servi à rien pour l'instant. Là, les conserves sont bien aussi, ouais. Mais le truc, c'est qu'il va vouloir... Qu'est-ce que j'échange, en fait, pour ça? C'est ça, ma galère. Qu'est-ce que j'échange? Genre, là, j'ai de la bouffe. Et j'ai le bois. On s'en fout des clopes. Ah, c'est pour le mettre bien, c'est que ça, juste que ça vaut pas grand chose quoi. Si je demande le bandage, il va pas être chaud, tu vois. En fait, c'est juste ça, c'est par rapport à l'importance quoi. Le bois, il y en a partout. Ouais, mais c'est pareil, ça, enfin, tu vois, ça représente pas grand chose dans son. Dans son truc quoi, tu vois. Ah, tiens, un peu de. Un peu de café. Ça peut être bien, un peu de café. Une pile en plus. Le café, c'est inutile. Bah si, ça se revend bien, on m'a dit. Là, le café a une bonne... de conserve, tu rajoutes une pile. Ah, c'est une pile, ça, en fait. Là, je suis pas mal. Honnêtement, conserve, café, petit poulet, petit légume. Il vaut mieux prendre le bois que le café. C'est une diode et une résistance en vrai. Ah mais du coup j'en ai 10. Ah, peut-être avec un peu de bois qui peut être rajouté. Ah non, le bois il veut pas le gratter. Hein. Le bois, il veut vraiment pas le gratter. Mais du coup, je te file ça et tu me files un peu de bois. Voilà, ça me plaît. Là, c'est très cool. C'est très cool. Très cool, très content d'avoir pu faire affaire avec toi. C'était cool, frérot. Ah, mais du coup... J'espère que les tireurs d'élite ne me repéreront pas. Bon, ça, c'est chacun sa vie. Hein. Mais l'idiote, c'est important. Ouais, mais j'en ai dit, c'est pour l'instant, ça me sert pas. Donc, tu vois, autant à faire avec ce dont t'as besoin aussi, quoi. Là, je chope quand même, 4, j'ai 4 conserves, j'ai un peu de café qui pourra juste nous permettre en zone d'échange d'échanger, un peu de trucs ici pour faire vraiment de la bonne bouffe. Non, non, honnêtement, je suis content. Honnêtement, je suis content, une petite clope, ça lui fait plaisir, il est con. Ah, il est con, il est comme ça, hein. Ah, tu le connais, hein, le Joe. Bon, là, du coup, on attend de l'eau, quoi.
Concrètement, on attend un peu d'eau. Et tu risques de te faire voler. Non, j'ai pas d'eau, c'est un peu l'enfer, ça. Ça coûte quoi, dehors, si je refais un truc de récupérateur d'eau, là? C'est cher, ça? C'est où? Ça n'existe plus. Ah, si, là. Ah, c'est un peu chiant, quand même. Hein. Ah, c'est un peu chiant. Ton eau n'est pas finie. Ouais, ouais, mais c'est interminable. Hein. Ah, mais c'est que c'est pas fini d'appuyer, en fait. C'est pour ça. Je pensais que ça attendait, parce qu'ensuite, il y a le truc de... Ah bah ouais, juste, c'était pas... Ça avait pas fait le craft, pardon. Je pensais qu'on attendait ça, moi. On attendait l'eau. Oh, c'est con, j'ai perdu un peu de temps. Et du coup, si je mets nuit, là, je vais avoir, mais du coup... Est-ce que si je mets nuit, je vais avoir... Un petit pied de biche, j'avoue que c'est pas con. Belle idée, ça. Améliore l'établi. Non, il nous manque toujours les pièces métalliques cheloues, là. Ah, du coup, ça va nous coûter beaucoup, hein. Mais du coup, est-ce que je fais pas deux pieds de biche et on retourne exactement au même endroit? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va avoir assez? Un pied de biche? Pourquoi deux? Y a pas un deuxième truc à péter? Un seul suffit. Ok. Ambroise 97, merci pour le prime. Ça se casse pas d'un coup. Ah, ça se pète pas. Ok, d'accord. Je pensais que c'était comme les... Ok, pardon. Ok, bah cool. Et du coup, on retourne au même endroit, non? Bon, j'ai repris des forces. Bien ça. Je dois pas... Ouais, je dois pas faire un crochet, un truc, une connerie, là. J'ai l'impression que je dois faire un truc. Un couteau pour défendre. Ouais, comme ça, on laisse deux armes à la maison. C'est bien. C'est bien vu. J'espère que nous allons réussir à garder l'endroit chaud. Crochet égale pied de biche utilisable une fois. Ah. Du coup, là, si je retourne à l'endroit où j'étais, on est bon. Ok, lui, il est en full voie de rétablissement, donc c'est bien. On a de la bouffe, si jamais. Attention à la bouffe prochaine nuit. Ouais, ouais, mais on a tellement de quoi faire que c'est bien. Là, honnêtement, on est bien, je dis juste fin de la journée, là. Fin de la journée. Lui, il va dormir dans un lit. Pavel, il va garder, monter la garde, et ça va partir collecter. Et on se refait le cottage, hein, je pense. Quantité énorme d'armes. On se refait le cottage ? On se refait le cottage. Et je prends juste le pied de biche, du coup. J'ai besoin de rien d'autre. Le cottage! Ah, you meant the cottage! I didn't understand! I thought you were saying the cottage! But it's only the cottage! So sorry. Pelle. Ah ouais, non, la pelle... Bah, en fait, ça va nous niquer un espace, donc... Viens bas, viens bas. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'on va gagner un peu de temps. Et ça, c'est plutôt cool. Tout prendre. On va avoir du sucre, hein. Je sais pas si c'est le sucre qu'on avait besoin, mais... Allez, petit pied de biche. Allez, ça pète. Zicotage. Cuisine ta viande en partie, ils volent pas les trucs cuits. Putain, mais c'est la nuit, et du coup, j'avais pas d'eau, c'est pour ça que... Ouais... Ça sert à rien, les nounours. Pas fou, hein, pour l'instant. Il y avait un truc où... Ah ouais, si c'était là-haut qu'il fallait péter. Au moins, on va pouvoir discuter un peu. Rémi qui lâche son 6e mois de sub, c'est une demi-année, Domingo Popcorn. Ah, ça c'est chiant, ça. Les nounours, ça sert, c'était un gosse dans la maison. Mais comment ça, un gosse? Tu peux avoir, genre, plein de personnages? C'est ça le truc? Nounours, clope,
douille pas du tout au petit à récup pour craft chez toi. En fait, ça dépend vachement du... Dans le DLC, t'as des gosses, si passionnant ce jeu. Le jeu est tellement profond. C'est genre... Prends pas le bois, ça stack par deux, plus rentable de les acheter, mais on peut pas acheter. Je pensais pour être honnête que ça... Alors ça, le jeu me plaît beaucoup, hein. Mais je pensais que ça allait être un peu plus, alors pas dynamique. Mais là, c'est vraiment une histoire, ouais, comme je dis, que tu fais 6 heures, quoi. C'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est de survivre concrètement. Là, ça fait 14 jours. C'est un peu du craft ou quoi, t'es dans une maison, il faut nourrir tes gars et tout, et chaque nuit tu pars en exploration. Et il faut donc du coup bah trouver les bons trucs, sinon c'est la merde quoi. Mode chill, ouais c'est très chill. Hein. Edwinette, merci pour le 10e mois. Go lire les bios des persos, tu as le ressenti que c'est trop intéressant. Ah ouais putain, c'est vrai que pendant ce temps on peut faire ça. Autrefois cette ville accueillait tout le monde à bras ouverts. J'adorais les cafés de la vieille ville où je me faisais de nouveaux amis venus du monde entier. Les gens retrouveront-ils cette aisance un jour? Si nous en sortons vivants, je dois me les... Si nous en sortons vivants, je me dois de les aider à s'en souvenir. Nous pouvons accomplir tant de choses. Bon, nous devons faire en sorte d'avoir assez de nourriture. Ouais, bon, Katia, c'était intéressant. Oh, c'était pas mal, ouais. Tarès, lâcherait un champion. Oh, champion. Merci pour le 3e mois. Pitao qui lâche son Twitch Prime. Merci beaucoup. 2e mois pour l'apéro. Mais ça, c'est des gens qui subent depuis juillet-août, ça. Ça, c'est des gens qui ont découvert avec, avec September, avec Football Manager et tout. Ça fait plaisir. Content de vous voir toujours là. T'as plein d'histoires avec... Oh là là. Alors là, ça c'est exactement ce qu'on voulait, ça. Des petites diodes. Les diodes, on a compris que ça valait cher. Là, la question, c'est qu'est-ce qui vaut le moins cher? Ça, ça donne de la merde. L'herbe, ça donne de la merde. Donc, on prend les diodes. On prend les matériaux stylés. Le bois. On peut faire le livre. Ça peut cramer aussi. Il y a un truc où, comme quoi on manquait de bois à un moment. Là, j'avoue que je doute un peu. Petite clope. Les douilles d'armes à feu. Ça a l'air fou, ça. En même temps, je prends quoi? Prendre ça? Une pièce d'arme? Ouais, on va voir. Je crois que je peux monter là-haut. On va monter là-haut, on va voir si on n'a pas mieux à prendre. Manque des matériaux aussi. Ouais, il me manque les... Ce serait bien si j'ai d'autres comme ça, là. C'est ça qui me manque vraiment, là. Et qui, depuis le début, on fait toujours la même chose, quoi. C'est quoi cette position? C'est très particulier. Je m'installe toujours un peu bizarrement sur mes chaises. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ceci est une zone d'opération antiterroriste. Les personnes qui resteront dans la ville sont considérées comme, des partisans des terroristes. Pour votre propre sécurité et celle de vos familles, quittez Pogoren immédiatement. L'armée vous garantit un passage sans dangereux. Ils n'étaient pas nombreux à les croire après les atrocités qu'ils avaient commises. Aïe, 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 aïe. Tiens, c'est dur, ça. Absolument prendre les livres. Oh, j'ai besoin de ça encore à nouveau, là. J'ai besoin de ça. Mais de quoi j'ai pas besoin? Déjà des clopes. Il va arrêter de nous péter les couilles, Bruno, là. Bruno, ça va les conneries, hein. Je pense que j'ai pas besoin d'autant de bois. Je prends 4 bois, ouais. On va faire ça. 4 bois, c'est bien. Y'a quelqu'un dans la maison? Non, non, c'est le rat, du coup. Ici, ça chill. Ah bah, c'est parfait, ça! Ah bah, attends, on va carrément avoir peut-être... moyen de tout prendre. Je pense que c'est le meilleur dispositif, ça. Fertilisant. Ouais, mais c'est comme le café, c'est pas les trucs les plus importants, là. C'est comme si on avait un de poulet, quoi. Je préfère avoir les médicaments. Fertilisant. J'enlève les balles pour les fertilisants. Fertilisant, ça a l'air de vous avoir fait kiffer, quand même. Ça a l'air de vous avoir chauffé. Yo, galette. Repasse demain pour le reste. Non, non, je vais bouger, là, il n'y a plus rien d'important, là. Non, ça n'a pas l'air si bandant, j'en ai déjà un. J'en ai déjà un. Là, on est bon, là. Là, on veut, vas-y, je sors. Je sors. Sors. Je suis sorti. Sors pas, va à droite. Non, à droite, c'était la sortie. J'ai juste fouillé le truc et c'était la sortie derrière. Jour 15. Est-ce qu'on s'est fait attaquer ou pas? Jour 15, c'est pas mal hein, pour une première game, j'ai l'impression. Ok, lui il est debout. Cette nuit j'ai fait une belle prise. Regardez ce que j'ai ramené. Nous avons été pillés. Quelqu'un a essayé de nous voler. C'était un groupe coriace et vicieux, nous avons réussi. Bon, juste on leur a mis 2 balles quoi. 2 balles et j'en ramène 3 à la maison. Mais c'est incroyable hein. Bon, besoin de repos. Très fin, triste. Pourquoi t'es triste, toi?
Il devient relou, hein. Alors attends, non, avant, charge un peu d'eau de pluie là. Non, charge un peu d'eau de pluie, pardon. Bon, Bruno là, le cuisinier. Vas-y, envoie-nous de la bonne bouffe. Lui, il va fabriquer. 14 degrés. Pff, 14 degrés, c'est léger, non? 14 degrés, on mettrait pas un peu de bois là? Est-ce qu'il reste de la nourriture à quelqu'un? Il faut que je mange quelque chose. Ma plus chère amie s'est toujours fait beaucoup de soucis. Un jour, elle m'a téléphoné, terrifiée pour me dire qu'une émeute avait lieu à l'extérieur. Les séparatistes incitaient la foule à brûler l'hôtel de ville. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, et j'avais raison. Rien ne s'est produit cette fois-là. Mais même quand les émeutes et les combats sont devenus quotidiens, j'ai continué à lui assurer que tout reviendrait bientôt à la normale. Oh non, Udin. L'homme fort. Notre voisine a eu raison de nous demander de l'aide, nous l'aiderons à rendre sa maison plus sûre. Mais ouais, mon pote, ça c'est beau, ça. Bon, toi t'as très faim, là, graille une petite soupe. Qui a très faim? Il a faim, très faim. Ok, Katia, elle va graille. Katia, elle a le droit de graille aussi. Je dirais pas non à un peu de rab. Chacun son truc, hein. Tu vas pas non plus insister, gros. Viens là, toi. Ok, parfait. Donc là... on va améliorer ici. Oui, on améliore ça. En plus de créer d'autres outils tels qu'une hache ou une lame de scie, nous pouvons également réparer les armes à feu et les casques simples. Nous pouvons l'améliorer davantage pour fabriquer des munitions ou réparer les gilets pare-balles. On va pouvoir avoir des gilets pare-balles. Donc c'est fantastique, ça. Ça, hop, ça fabrique. C'est bon, c'est de la grosse fabrique, là. Pire truc. Oh non. Oh non. Tu m'as dit pire truc au moment où j'ai fait. C'est pas bien. M'a l'air bien, moi. Moi, j'ai fait ça pour que ce soit bien. J'aimerais bien que ça soit bien, quand même. Ça ferait plaisir. Je vais refaire un petit truc pour l'eau. Et ensuite, on est bon, hein. Je pense qu'on va pas pouvoir faire beaucoup de trucs mieux, là. La température, je pense qu'on va se mettre un petit truc. Je pense qu'on va se mettre un petit bail. Mathieu, monsieur, merci pour le cinquième mois. Ok, alors qu'est-ce qu'on a maintenant de nouveau? Ah, on peut craft des casques. Casque endommagé, il nous faut un casque de base. Fusil à canon. Ah mais nous on a une calash, mec. J'ai rien besoin de tout ça. Permet de couper des chaînes et des barres en métal pour se rendre dans des endroits autrement inaccessibles. Ah, c'est pas mal aussi, ça. Je vais mettre un petit truc de... Vas-y, besoin de repos, toi tu vas dormir. Ah, c'est quand même pas mal, là. J'ai encore 5 combustibles, ça va, je suis bien. Ok, on a l'établi niveau 2. Il me faut de l'eau. J'ai qu'un d'eau. Faim. 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 Tout le monde a faim. Ça coûte combien, ça? Pour Bruno, améliore-lui la cuisine, il sera content. C'est vrai que si on lui fait un petit hub de cuisine, il va kiffer, en vrai. C'est pas con, ça. Mais on lui a déjà up. Je lui ai déjà up. Les gars, je lui ai déjà up. Je suis en nourriture cuisinée, maintenant. Je suis en nourriture 2.0, là. Est-ce que vous croyez? Bah, potager, mais le souci, c'est que le potager, En vrai, je peux rien faire à nouveau, quoi. Il me refaut full matériel. Il te faut tout le temps que du matériel, en fait. Oh merde, putain. Il te faut, mais vraiment, tout le temps full matos. C'est genre un truc par un truc, c'est pas facile, ça. L'air est frais, bon. Petite musique classique. Le café est à nouveau disponible. Ok, d'accord. Plus de soucis de café. De pire, ça cache tout, attaquant des foyers toutes les nuits, une prudence extrême est de mise. Ok, mais on a tout fait bien pour ça. Donc là-dessus, honnêtement, on est méga bien. Quand le mec vient trade, récupère le matériel, c'est important. Ouais, ouais, non, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on est pas mal, hein. Merci pour l'annonce diesel, tiens un nouveau mail dans ta boîte mail. Bah écoute, Noxy, merci beaucoup. Chine pour mon deuxième mois, FC Domingo, Rip Silvio. Aïe, 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 ça c'est... Ouais, ça fait chier, hein, parce qu'il aurait pu... Il aurait pu faire la diff, hein, mais bon.
entre ce qui a été annoncé, la grinta, et la réalité où ça met juste des grandes claques dans la gueule. Bon, alors on s'en fait combien là? On s'en fait deux, comme ça c'est réglé. Et il nous restera un peu de bail. Ok, pas mal ça. Et on va s'en refaire un petit. Ah non, attends. Fais une deuxième. Ourdin, merci pour le Prime. Et Saru, merci pour le cinquième mois. Merci à vous tous pour le soutien, c'est assez ouf qu'on soit encore 5000. C'est assez insane. T'as du temps dans l'hiver, du coup, faut faire un max d'eau avant que ça gèle. Après, ça gèle! Oh! Ah, en fait, il demande moins de ressources et tout pour faire les choses à faim. Non, mais moi, je vais les nourrir en très faim. Je mangerai bien quelque chose. Bon, 18 degrés. On va le foutre sur le fauteuil, il va être content. Elle, elle va lui rouler des petites clopes. Elle peut pas rouler. Elle peut pas rouler, on n'a plus rien. Il a plus de clopes. Il a juste envie de se tirer une balle et on va attendre le soir. Parfait. Tu comptes jouer jusqu'à quelle heure? Bah en vrai, enfin, j'ai envie de savoir jusqu'où je vais, tu vois. C'est un peu... je vais envoyer Pavlov. J'ai envie de... En vrai, j'ai envie de savoir ouais, où jusqu'où je vais aller, tu vois. Lui, il va dormir, elle va monter la garde. J'ai limite envie d'aller au chantier, quoi. Quantité énorme de nourriture. On peut pas tuer le sniper? C'est la première fois que tu joues à ce jeu? Ouais, c'est la première fois. Il part en marathon MDR, mais y a-t-il une fin? Bah, je sais pas. Je sais pas, hein. Parce que j'avoue que dans ce genre de jeu, au bout d'un moment, je vais un peu fatigué, mais... Après, t'es pas obligé d'aller jusqu'en haut. Ça va prendre un cut, hein. Moi, j'ai bien envie de tuer un mec, là. Là, j'ai bien envie de tuer un mec. Voilà, je vous le dis. Vous êtes prévenus. Là, ça va être un gameplay où ça va envoyer, là. Boum. La diode. Personne s'y attendait. Demain, live après popcorn. Je suis pas du tout en fonction. Ah, j'aurais dû prendre le pied de biche. C'est pas mal, ça. Oh là là. Ah, d'accord. Ça, il faut de lame de scie. C'est ça, donc, les scies qu'il faut. Ok, pas mal. Laura Lambda, merci pour le Prime. Ça, je comprends mieux. Mais du coup, là, je vais rien pouvoir faire. Sans lame de scie, je vais être bloqué à chaque fois, non? J'avais un peu l'impression. Genre, il peut traverser? Ah non, c'est un mur, là. Ah, mais du coup, ça va être très compliqué de sauter de truc en truc. Je vois pas comment je vais pouvoir aller plus loin que là où j'étais la dernière fois. Je vais me taper le même sniper. Ah, du coup, je dois face le sniper, en fait. Je dois tuer le sniper? On est sur ce genre de plan? Ok, là, ça retombe là. Oh, c'est bon ça. Ah là, ici. Enfin, à droite, il y a une planche. Je comprends pas. Il y a une planche pour traverser. Ah là, il y a assez peu de planches, hein. Je clique, hein. Je clique là, hein. Là, je suis en full clic là. Hein. Il y a zéro planche. Hein. Je la vois pas. Mais je ne peux pas cliquer en fait. Enfin, je sais pas ce que. Je sais pas comment vous dire. Genre. Vous me prenez pour un con parfois, mais. Enfin, je clique, hein. Je fais que cliquer. Concrètement, j'ai fait que cliquer depuis 10 minutes là, sur cet endroit. Ouais, je la vois la planche, mais. Mais je peux pas le passer par là. Va au-dessus et tu tombes. Ah, ok. Je sais pas, il y a une planche, mais il n'y a pas de sol. Ça, on avait vu. Rien ici. Même là, je peux pas. Hein.
mec tombe d'un étage sur une planche. Non, je peux juste pas y aller en fait. Hein. Genre en fait, je pense que c'est un truc qui t'amène là à là, mais tu peux pas aller de là à là parce que là, y a rien. Et là, y a d'autres planches là. Sauf qu'il y a peut-être aussi un sniper au bout d'un moment quoi. Mais nous on loot hein. Là y'a personne qui tire aujourd'hui hein. Je sais pas ce qu'ils ont mais... Ils sont très décontractés. Je sors le couteau quand même si jamais. Ah merde lui il nous fait chier. On doit passer en haut alors. Ok, il y a l'air d'avoir son père. On continue, hein. Ok, personne. Putain, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de trucs, hein, quand même, hein. Bah, on va fouiller, hein. C'est du côté, c'est la côté du supermarché pour la meuf que t'as sauvé. Bah je suis allé au bout du supermarché. Bah en vrai là j'ai un peu tout fait hein, je pense. Enfin pas tout fait mais dans le sens où je sais pas si j'ai d'autres trucs à prendre. Ah ouais tu peux monter comme ça derrière et tout. Là on s'est mis trop bien là. J'avoue qu'il va falloir sortir par contre. Je sors. Hein. Ah, parce qu'il doit tout se taper. Ah, j'ai fait le clic. Non, non, ça va, il y a le temps. Oh, quoique. Non, ça va, ça va faire 3h20. Oh, ça va, on est large. Bon, du coup, on peut revenir au chantier quasiment de manière infinie, quoi. C'est free farm. Et du coup, il n'y a plus de sniper, ça, je comprends pas trop. Genre, il y a peu d'endroits où c'est dangereux, quand même. Puis prend la clé. Ah là, ça... Ça prend la clé. Je sais pas pourquoi je pose cet accent. Mais bon, ça prend la clé apparemment. Pourquoi pas. C'est donc ça. J'ai fait une belle prise. Nous avons été pillés. Quelqu'un est venu pendant la nuit pour s'emparer de nos affaires de force. Katia légèrement blessée. Bon, du coup, va falloir ramener des balles au bout d'un moment, quoi. Elle a de légères blessures. Elle a besoin de repos. Lui, il a juste faim. Lui, il a très faim. Ah, ça passe en prio, ça. Elle a la faim, légère blessure. Elle va juste dormir, alors. Attends. Avant, on fait un peu d'eau de pluie. Ah, on n'a pas le truc... Qu'est-ce que tu fais toi? Le mec est en... Oh! Il y a les petits poulets. On a gagné du poulet gratos. Ça c'est sacrément plaisant ça. On a un peu de poulet gratos. Je mangerais bien quelque chose. Dors toi. Et remets lui un petit poulet. Ah, c'est bien, ça nous fait des petits poulets gratos. T'as besoin de quoi pour faire les lames de scie? Je sais pas du tout. Non, attends. Oh, allez, fais ça, toi, pendant ce temps. Scrap plus gun. 14 degrés à nouveau, hein. Je pense farmer l'eau est une bonne idée. Ah, bah parfait, j'ai pile ça. Ah bah je vais pouvoir le prendre alors. Mais du coup on fait quoi? On retourne au chantier? Vas-y Phoenix. Qu'est-ce qu'il fait comme live? T'as le droit à un beau message, Phoenix. Phoenix a son copain qui live depuis peu. Donne-nous envie de le regarder. Bon j'ai une scie. 14 degrés, bah je remets une petite bûche alors. Hein.
Ça remet une petite bûche et elle va se reposer, elle, l'autre va redormir. Et on est reparti là, je pense. Je sais pas trop quoi faire, hein, pour être honnête. Il me manque ça, bah je vais. Hop. Là, je refais ça, dormir, elle dormir. Lui monter la garde, lui partir, chantier, vide de construction, hop, ça part en petite scie. Merde, pas besoin de pied de biche. Ça part collecter, hein. Je sais pas là, j'essaye de. Pression de faire les trucs bien. Merde, c'était où déjà? Ah, c'était en bas ça, qu'il fallait passer. La scie sert qu'une fois. Ah merde. Bon bah on va essayer hein. Au moins ah y a qu'en bas en fait. Ah je pensais que ça allait être plus fou, que ça nous permettait de repasser. Ah parce que ce qui est trop chiant c'est qu'on doit se taper tout le tour du coup du chantier. Clété au sol. Je vais faire du multigaming ce soir, il fait du Smash Bros. Son blast c'est R3 Lical. Eh bah écoutez, ça lâche du Smash. Ça lâche un peu de Smash par-ci par-là. Smash, ça. Enfin, moi, les jeux de Versus, ça a jamais été un truc qui me fait trop kiffer. Oh, le petit bandage. Petit bandage, petit ingrédient pour médicaments, petit livre. Ça va bien. C'est pas. T'inquiète, tu vas être plein. Petit caca, petit. À chaque fois, je pense au cacao. Petit café, je vous dis à la mine, tu conseilles quoi comme rune? Bah, écoute, j'ai fait une vidéo là-dessus, si tu veux. Donc, n'hésite pas, frérot. L'odeur de décomposition est insupportable. Ah, y a du mort là. Pensez que je jette le feu dans le livre? C'est mieux d'avoir d'autres bois? En avant l'atelier niveau 3, t'auras la porte blindée donc plus d'attaque. Après, tu peux pas. Tu peux plus mourir quoi. En vrai, le café, j'avoue qu'il sert à rien autant que je prenne l'ours, je pense. C'est peut-être mieux. Après, il sert à rien, ça va lui faire plaisir à l'autre quoi. J'étais dans l'équipe de Mingo Defeat, sympa le match. Aïe aïe aïe! Bon, on a deux fertilisants, on a ça, on a ça. Ouais, je sais pas, on va prendre le livre. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est des trucs où j'ai aucune idée. Monte tout en haut, il y a du loot. Ouais, mais du coup, là, on est quasiment en loot max, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ce qui est trop chiant, déjà, c'est qu'il faut faire tout le tour pour ça. J'ignore comment aller là-bas. Finis pas tes journées avant 13h. Bah là, tu vois, c'est le moment où je kiffe le jeu. Mais après, je suis un peu speed parfois, donc sinon je m'endors. Mais il y a de là, ça me. J'ai envie d'un peu plus d'action. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'un peu plus de trucs qui se passent. Tu vois? T'as le temps au pire. Ouais, je sais, mais moi, j'ai envie de savoir ce qui se trame. Va ailleurs alors. Voilà, maintenant que j'ai fait le tour, on va aller au petit. Ah tiens, je vais check en haut. Voir ce qui s'y passe en haut. Haribo, merci pour le 11e mois. Personne, on est d'accord. Ah non, mais là, c'est les portes. Ah, c'est bon. C'est les portes semi-blindées, là. Ah ouais, là, ça ouvre des bons trucs, hein. Ah, c'est pas mal ça. Ah là, les médicaments, ça m'aide bien là. Ah là, ça va très tranquillement se séparer du livre. Ok, là, ça a mis bien là. Là, j'avoue, ok, ça valait le coup. Ah, ok, pardon. Non, non, ok, d'accord. Non, non, mais il faut savoir s'excuser à des moments. Là, c'est vrai que c'est du lourd. Voilà. Il y a des moments, c'est pas du lourd. Du coup, on se demande, on se dit, bon, est-ce que. Est-ce que ça vaut autant le coup que ça, tu vois?
Là, on est clairement sur. Qu'est-ce que vous pensez que je peux tège encore? Médicaments à base de plantes, c'est pas mal quand même quand t'es en galère. La pièce électrique pour deux poulets. Fertilisant, on peut tège. Ta seule diode, ouais, la diode, j'ai tège. La pièce d'arme, vous pensez que c'est important à garder? Mais du coup, à la place de quoi? Là, m'a dit, merci, 48 mois. Eh, hey, 48 mois, s'il vous plaît, ça fait 4 ans. 4 ans! Que Lama Didi est sub à ma chaîne. Et ça, c'est quand même hyper beau. 4 ans sans s'arrêter. 48 mois de suite. Putain, merci énormément. Ça fait des 6. Ah, ça fait les 6, ça. Ok, on va prendre alors. Fertilisant, les médocs sont trop importants. Il te faut des balles pour tuer des gens. Pas de suite. Jette cette daube, les légumes. Non, les légumes, c'est trop bien. Respect. Je veux du clap-clap. Je veux du clap-clap, là. Vous êtes en full négociation, alors qu'il y a quelqu'un qui a 4 ans de sub. Jette les scraps, ouais, le bandage. C'est pas mal quand même le bandage. Hein. Sinon, les deux de viande, je suis tellement. Honnêtement, j'ai tellement de bouffe. Je vire les deux de viande. Un peu osé. Je pense que c'est le mieux, les deux. Les deux poulets. Non, je jette les trois boulons. Vas-y, j'ai jeté les trois boulons. Allez, on se barre. Ah, oh, il y a une autre sortie? Mais est-ce que ça serait pas une entrée aussi? Ah non, pardon. Ah non, on doit aller tout en bas. Tu peux encore monter. Ah ouais, non, en vrai, c'est pas mal, hein, ici. Non, mais en fait, là, du coup, c'est juste que je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments extérieurs, tu vois. On peut pas faire grandir la capacité du sac. Non, et j'avoue que ça, tu vois, soit aller à deux en épreuve, soit pouvoir recruter d'autres gens. Un truc comme ça, là, aurait pu être pas mal. Qu'il est con, je serais le survivant, je boufferais tout ce que je peux pas rapporter, j'avoue. Le petit poireau, là. Bon, du coup, on s'est fait attaquer, j'imagine. Voilà, les bondages, ne posez pas de questions. En heure. Voilà, comme d'hab. Ah, ils nous ont volé du poulet, quand même. Ah, il commence à être relou quand même. Il commence à être un peu technique là. Lui il a quoi là? Alors il y a un nouveau truc sur elle. Seulement je pouvais aider Pavel, il a l'air d'avoir tellement faim. Oh ça va, il se porte bien. Hein. T'en fais pas frérot, tout se passe bien. Ah mais là du coup il me faut encore full boulon quoi. Bah du coup on va se faire deux trucs comme ça. J'ai de l'eau, bah j'essaye d'en craft. Honnêtement j'essaye d'en craft du coup. J'ai de l'eau ou pas? Ouais j'ai de l'eau tu vois. J'essaye de faire un flux continu de craft. Porte blindée. Donc porte blindée c'est le niveau 3. C'est chill ici. Belle ambiance. Ah ouais ici je peux te dire frérot. On est dans du maxi chill. Hein. Je pensais même ne pas être à ce niveau de chill avant, avant plusieurs années. On l'a atteint. Très fin, légère blessure. Ok, bon, les deux vont dormir. Lui, il va faire les trucs. Lui, il va là-haut. T'arrêtes vers quelle heure? Bah là, du coup, j'attends un peu de savoir ce que ça donne, quoi, au final. Pas le jeu, mais là, je suis parti en one shot, quoi. J'avais pas prévu que ça soit ça. Ça termine pas ta journée avant 13h, des nouveaux persos ou des missions arriveront. Ah ok. Cigarette me ferait du bien, putain je crois qu'on a rien de tout ça. Ah si je peux lui faire peut-être une petite clope. Peut-être lui faire une petite clope. Allez, juste on lui fait une petite clope là. Ça lui fera du bien. Le piège à rat qui a remarché. Pff. Non mais là c'est succès sur succès là. Là j'ai peur qu'on soit justement en trop de win. Est-ce que je peux refaire un petit... C'est quoi, je vais lui filer une deuxième soupe à Bruno. Il se sent pas très bien donc... Ah non je suis con, il me manque toujours ces trucs là.
Renaud, il va grailler une deuxième soupe. 14 degrés. Mille degrés dans la soirée. Pas du tout, ça a l'air. Ah ouais. Ça suffira pour le moment. Bon bah repose-toi, hein, cousin. Nous n'avons pas de combustible. Ah. Ah mais quand même, hein. On l'a cramé quoi. Quand tu... ouais j'ai vu, je les laisse au lit, du coup il régénère, c'est pour ça la légère blessure et lui aussi. Du coup, triste, mais il a pas pu fumer. N'hésite pas, fume, hein, fume gros. Oh le piège à rap à réarmer. Tu le vois mon Takizis. Ce jeu quand ça commence à être le mal, c'est fini, ça devient de pire en pire. Ah non mais je pensais honnêtement que le jeu avait... Voilà. La run avait une durée de vie de 2-3 heures, tu vois. Je découvre ton stream, t'as l'air d'avoir une bonne personnalité, tu me fais pas mal délirer. Bah écoute. Bon après là c'est pas le jeu peut-être où je veux te faire le plus kiffer, tu vois, si tu me connais pas du tout. Parce que c'est un jeu très chill. Mais c'est un jeu bien sympa et j'aime bien... J'ai beaucoup été un gamer de jeux très multijoueurs au début. C'est-à-dire des Call of Duty, des League of Legends. Et maintenant j'aime bien découvrir des jeux, faire des petites soirées de stream un peu différentes. Bah écoute, t'as refou du poulet, hein. J'ai encore un truc à casser tout à droite. Non, je suis bien. Là dans l'ensemble je suis bien, on va se mettre un peu de radio. T'en fais pas 2000, t'es super bien débrouillé pour une première fois. Ouais c'est chat quoi. Chat et vous avez conseillé aussi des trucs. L'air est frais. J'ai pas une nouvelle. J'ai pas une nouvelle. Eh ben. Besoin de repos. Vas-y, hein, ça va aller refaire un peu d'eau. Tu peux casser des meubles. Ouais, mais en vrai, j'ai pas beaucoup de meubles. J'ai déjà pété tous mes meubles et là, j'ai mon petit fauteuil. J'avais l'annonce des aides. Hein? Eren, soit aléatoire, la guerre est terminée de nuit après que tu aies commencé. La guerre peut se terminer. Non, je pense qu'il y a un minimum. Ensuite, il y a pas mal de faits aléatoires qui fait que t'as différentes fins et tout, quoi. Et comment on sait quand l'hiver arrive? Ah là, on chauffe qu'à 18, hein. Avec un bois, j'avoue qu'il va falloir en commencer beaucoup, hein. L'hiver va arriver tôt ou tard. Bah, j'avoue que. Il va commencer à nous falloir du bois, là. Café est à nouveau disponible, même s'il reste cher. Ah, j'ai aucune annonce là. Ah, juste ça saccage là. Juste on est en saccage max là. Besoin de repos, triste. Ok. La radio, si la radio est froide à toucher. La radio te prévient avec la météo pour l'hiver. Ah ici. Bon bah là il nous refaut Bah du coup j'ai pas eu de nouvelles infos là. Là il s'est rien passé aujourd'hui. Je dois attendre qu'il se passe quelque chose. Les meilleurs lives là quand ça chill. Bah là ça chill peut-être un peu trop là. Je m'endors là. Des jours y'a rien, ok. Parce que là concrètement qu'est-ce que je fais? C'est quoi le plan là? C'est tenir l'hiver avec du bois. Tu vas rien comprendre. Ah c'est vrai que up la chaudière ça serait pas mal. On a pas mal. Là en fait il nous refaut des matériaux concrètement. Bractags, 48 mois aussi, 4 ans de sub. Aïe aïe aïe, ils sont là. Besoin de repos du coup j'ai pas reposé. Parce que les autres je leur ai mis de légères blessures. C'est pas bon ça. Ah, de légères blessures, afin. Triste. Bah là on va aller juste chercher du bois. Mais du coup le bois c'est où? C'est dans quantité énorme de matériaux. Prudence recommandée. Mais j'en verrai bien elle là en fait. Mais du coup qu'est-ce qu'on a besoin de prudence? On n'a pas besoin de prudence. Là on a besoin de quantité énorme de matériaux.
Vas-y, on va envoyer elle. Petite blessure. Je fais quoi, vous pensez? Je prends une hache? Maison calme, c'est les vieux. Maison calme, c'est les petits vieux. Est-ce qu'on a besoin d'une hache? Pas d'une hache. Pas de la collecte, c'est du trade. Ouais, c'est au milieu, juste, c'est le marché noir. Ouais, voilà, ils se rendent, nous pourrions y trouver ce que nous avons besoin. Ouais, juste la place centrale, c'est on voit des gens, en fait. Le squat, 24%. C'est quoi, je vais aller au squat et je vais y aller avec un pied de biche. Je suis sûr qu'on avait dû oublier des trucs. Oh, peut-être un couteau. Me dis pas qu'il y avait des mecs qui me faisaient chier. Et que du coup, j'ai waste. J'ai du waste. 100%, il y avait des mecs et j'aurais dû prendre un couteau et on aurait fait un kill au moins. Ah, c'est trop con. Pour l'instant, on rentre plutôt armé. Porte barricadée. Merde. J'ai couru. Bon bah on peut fouiller pour l'instant. Ok. Explique en deux mots le jeu STP. C'est de la survie ou... C'est très compliqué parce qu'on est au jour 17. Mais c'est de la survie où en gros tu dois un peu crafter. Tu dois faire des petites missions. En gros survivre. Concrètement sur... Par contre c'est bien ici. En termes de ressources là. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de boulons? Parce que sinon on rentre juste avec ça. Hein. Mais la question c'est est-ce qu'il y a d'autres gens? Là j'avais besoin d'un stack de bois, c'est les... Ah merde, c'était pas ça que je vais faire. Survivre à la guerre, lire façon Rambo. Moi j'étais un peu dit ça. Ah mais au moins qu'on... Parce qu'en vrai j'ai pas besoin de plus quoi. Là juste à rentrer et je retourne la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah c'est bien ça, j'en ai besoin je crois. Ça j'en ai besoin. Attends, je continue un peu à forcer là. Très cher Macha, j'ai trouvé ce refuge parmi les sans-abri. Je ne suis plus artiste ni professeur, je suis l'un d'entre eux à présent. Y a pas beaucoup de nourriture, certains de mes amis nous ont déjà quittés. Ne t'en fais pas, moi aussi je partirai en quête d'un refuge plus approprié dès que j'aurai terminé ma peinture. Ah, le mec est en dessous du coup. Ah. Bonjour, excusez-moi monsieur. Bon, moi je vais partir de mon côté. Le gars, je suis descendu sur lui, mais c'est un petit clodo du coup. Ça va pas être un clodo méchant. Ouais, c'est un clodo pillage. Non, c'est... Quelqu'un de... Juge scout, hein, monsieur. Ouais, c'est un artiste, limite, il veut... Si tu parles avec... Je peux pas avoir plusieurs persos, GS. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je vous embête pas plus. Je suis très fin, pourriez-vous m'aider? Oh... Ah, j'ai rien à te donner, putain. Ah, je suis désolé. J'avoue que j'aurais bien été chaud pour te filer un petit bail. Ah, vas-y, je reviens. Je vais revenir demain et je vais lui refiler un truc. Parce que j'ai rien sur moi, là. Vas-y, je vais revenir demain. Voilà, je pille. Hein. Je suis en pillage. Hein. Youm youm, deuxième mois, merci beaucoup. Du coup, vas-y, on se le met. C'est chiant de devoir attendre 13h, du coup. Bon, là, il y a dû avoir une attaque. Il va falloir que je déballe à un moment, mais il m'en reste 17. En fait, ça nous a mis trop bien d'avoir une kalash. Ah, ça lave le tram. Quelle nuit. Ok, bon, bah, trop bien. Il s'est rien passé de négatif, j'ai l'impression. Très fin. Bah, tu peux juste manger là. Tiens. Va faire un peu d'eau, toi. Faim, légère blessure, besoin de repos. Tu vas pouvoir te poser. Est-ce que je crame tout pour faire un deuxième piège à rat?
Le deuxième piège à rat est tentant quand même. Sachant qu'il me manque toujours 15 améliore l'établi. En vrai, j'ai tellement de bouffe que... C'est quoi ça? Mixeur. Ah, il me faut un mixeur pour améliorer encore le... Je peux pas toutes les armes à feu, mais aussi remplir des douilles vides. Là, j'ai la porque... En vrai, ça va peut-être up le chauffage pour l'hiver. Un thermorégulateur. Pas simple, le thermorégulateur à trouver. Le thermorégulateur, il est pas simple. Hein. Là, il est tactique. Hein. Je dirais même. Distillateur, l'eau et le sucre, il fait moi. Je fais un distillateur, sinon. Ça nous sert, le distillateur. Contre des choses, on en a besoin, espérons juste pas trop. Faut le craft. Ça se craft où, le thermorégulateur? J'ai l'impression que nous, le seul bail intéressant, c'est... L'alcool se revend super cher au marchand. Ouais, mais je suis pas dans ce bail-là, moi, j'ai l'impression. On n'est pas là-dedans non plus. Ah, je pense que... Je vais cliquer là-dessus. Pas un petit mec qui va vouloir... Je vais allumer un petit truc. Hein. Et j'upgrade quoi, du coup, selon vous? L'atelier ici, ça nous permet de faire quoi, ça, du coup? Améliorer une permet de recréer des appareils électriques utiles. Comme des lampes à chaleur pour les jardins et des mixeurs pour les ateliers. Ah bah du coup, je suis obligé d'avoir le mixeur pour améliorer le ça ici. Ouais, d'accord. Donc quoi qu'il arrive, je suis obligé d'avoir l'atelier numéro 2 pour... Ouais, voilà, ça. Bon, bah du coup, objectif, atelier numéro 2. Atelier numéro 2, il nous faut 17 boulons. Bah écoute, on va rentrer ce soir. Toi, t'es mort de fatigue. Bah je te mets là. Vous avez faim? Tiens, je vais quand même te faire boire une petite soupe. Tu mérites. Toi, tu vas te poser là. Attends, ouais, je vais te faire écouter. Ah merde. Enfin, pas merde au final, parce que c'est pas mal quand même. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La ville de Pogoren souffre d'une pénurie extrême qui va jusqu'à toucher les provisions les plus essentielles. Ah, là ça va être la merde. Heureusement j'ai un peu de bouffe et tout. J'ai pas des animaux ou des artillerie, regardez à l'esprit que vous achèterez de la viande auprès de sources douteuses. L'air est frais avec des nuages, des risques de pluie. Conseil pour les nuits froides, on a un bon livre, une tasse. Bon, l'air est frais, mais c'est pas l'hiver. Hein. Allez, cours, cours, cours. Va avec deux persos ce soir. Ah, c'est difficile, hein. C'est clair que c'est difficile. Sur un live seulement de 5 heures de répéter la même chose. Ah, que c'est dur. Attends. Parce que... J'ai besoin de quoi, concrètement? J'ai besoin de full ça, là. Attends, j'en ai besoin de combien exactement? Toi. Non, 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 non. Va là, là. Et cours, là. T'es un bon coureur. Cours, 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 cours. Bon coureur, quand même. 17, j'ai besoin. Attends, vous êtes trop fort. 17. Oh, moi, je suis nul. Je suis désolé dans ces trucs-là. Au bout d'un moment, ça me... Ok. Donc, j'ai besoin de 17. Toujours, hein, ce chiffre. 4. J'ai fait n'importe quoi. 16. Donc, 16... 17. J'ai besoin de ça. Qu'est-ce que je lui file? Une diode? Deux diodes? Trois diodes? Trois diodes! Ah, tu me mets un peu plus du coup. Ça sert de... Les diodes, c'est propre, hein. Là, c'est le moment classique où j'essaie juste de gratter. Tu connais. On sait jamais, un petit bois. Petite douille. En vrai, je me mettrais bien deux balles. Comme on se fait attaquer de temps en temps. Deux balles contre quoi? Contre... Contre ça. Et tu me refiles un poulet. Tu me files une clope alors. Deux clopes. Ah, une clope. Une clope et un... Ce jeu de marchand, là. Ce jeu, vraiment, de marchand de bas étage, vend un couteau.
tu vas être mal sans diode. Ah ouais, c'est chiant à ce point. Toujours gratter le petit bois à la fin. Moi, je suis le pire gratteur dans ces jeux. Je suis une merde. Ah bah attends, là, on peut améliorer direct. Trader Simulator. On peut améliorer direct et on se lance le petit mixeur. Bon, c'est pas mal, hein. Pas mal, là. On est pas mal avancé, hein. Jour 18, Jour 18, nous sent bien, hein. Ah, les diodes, c'était l'erreur. Ah, merde, je savais pas, c'est la vie, hein. Fallait dormir, les pauvres. Ah non, ils sont bien. Y'a Pavel dans son... C'est Pavel qui sort la semaine prochaine. Oh, bel établi. Oh. Oh, attends, bah vas-y, va te coucher quand même. Pavel, bouge ton cul. Ah, un bois maintenant, ça fait plus que 17 degrés, hein. Y'a pas de date limite, hein, pas de buzz. Et pile ce qu'il faut. Permet de faire pousser les plantes à l'intérieur. Assez. Je peux faire un mixeur. Et je peux faire un thermo machin. Ce qui fait que je vais pouvoir améliorer aussi mon chauffage. Trop bien. Voilà, c'est cool. Là, tu vois, ça avance. Là, je suis content parce que j'avoue qu'on a fait 4-5 jours de non-avançage du tout. De juste... De juste gratouillage, quoi. Là, au moins, c'est bien avancé, quoi. Là, il y a un petit step-up, quoi. On a le droit de prononcer le mot mixeur sur Twitch. Et encore heureux, hein. Déjà, qui nous banne, là, t'as l'impression que... Attends, j'ai fait quoi, là? J'ai fait le mixeur ou je fasse pas de la merde à ce moment, juste par un petit coup de fatigue? T'as l'impression, maintenant, t'enlèves ton t-shirt, on voit ton téton, tu peux prendre 8 mois de ban. T'es là, t'es... Oh, putain, merde. Ah, moi, je vous le dis, hein. Je porte des soutiens-gorge, maintenant. On sait jamais. Fais de la bouffe pour le SDF. Non, mais je vais lui amener un petit poulet. Je vais lui amener un petit poulet, une petite clope. Ça va être bien, quoi. Ça va faire le taf comme jamais. Regarde, faut quoi pour la porte? Bah, je sais pas encore. Après, les gens bannent souvent... Exagèrent en jouant la victime. Ah, les gens bannent ont souvent exagéré en jouant la victime. C'est ça, on comprend. Hein. Il est tard. Ah, mais il manque fou le truc, du coup, quand même. Ah, dons des lampes. Oh, j'ai voulu faire les deux en même temps. Et du coup, il manque des lampes à diode. Peut-être mieux de faire le chauffage en premier. Comme ça, j'aurai moins besoin de bois. Je pense que faire le chauffage en premier fait que j'aurai moins besoin de bois. Et ce qui fait que ça va moins me faire chier au bout d'un moment. Parce que sinon, je vais tout le temps être dans la merde, niveau bois. Mais du coup, j'aurais bien pris une petite scie. Bon, bah, ça va juste dormir, hein, je crois. Il tarde, je sais plus parler. Qu'est-ce qu'il dit dans la bio? C'est difficile, mais les femmes de notre rue veillaient à rester belles. Elles étaient toujours propres et portaient leurs beaux vêtements. Vous auriez dû voir ça dans la file pour l'eau. On aurait dit qu'elles allaient au théâtre. Et puis mon garçon a eu une idée. Ouais, il devient ouf, lui. A besoin de repos. Bon, lui, il va faire agraille demain. Allez. Dormir. Monter la garde. Partir collecter. Et je vais où? C'est où que j'étais? Dans le squat, hein, on est d'accord? C'était bien ça, que je dise pas de la merde? C'est le squat, hein, ouais. Bon, je lui mets quoi? On le met bien ou pas? Ah, je le mets bien, je lui mets une conserve. Je lui mets une conserve. Je lui mets une conserve, je le mets bien. Et tu sais quoi, je lui mets une petite cigarette roulée. Honnêtement, je le mets bien. Je le tue derrière. Pas la conserve, malheureux. Ah, sinon, vraiment, c'est pour... Ah, moi, je le sens bien, là. Alors. Bon, là, on connaît par cœur, maintenant, hein. C'est notre maison. Le truc, c'est... Est-ce que... J'ai l'impression que les trucs se reloutent, tu vois. Bon, ça fait 10 fois... Oula. Apparemment, on y va avec le coude, maintenant. Intéressant. Bon, on me dit pas... Il n'y a pas eu trop de gens qui sont venus... Ah, il y a le truc acier, là-haut, là. C'est ça que vous me disiez, mais on n'a plus rien. Petite lampe. Petite diode, là.
C'est le même style de jeu que tu fais avec les mecs dans le bunker des familles. Ouais, alors un peu plus différent. Pour tout avouer, l'autre jeu est quand même un peu plus chill, 60 secondes. Celui-là est un peu plus, alors pas poussé, mais un peu plus. Mais en fait, j'ai plus rien. Bonsoir, monsieur. En fait, je viens juste vraiment te nourrir, quoi. Très intéressant, mais ça n'a aucune valeur pour moi. Je te ramène une clope, là, et. Et tu me files rien? Bon, c'est vrai que t'es SDF. Merci beaucoup encore une fois. Quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ah! Ouais, vas-y. Qu'est-ce que t'as? Merde, excuse-moi. Je vais vous montrer, suivez-moi. J'arrive. Je peux juste fouiller vite fait? Rapido, attendez-moi, monsieur, 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 monsieur. Oh, monsieur! Monsieur! Quand vous me parlez comme ça, tout de suite, monsieur! Rien à foutre, je prends le sucre, je prends tout. Monsieur! 60 secondes est un peu plus cartoon. Ouais, lui est très réalistique et. Ah, mais il nous avait pas montré ça là, qu'est-ce qu'il fait? Et boum. Et boum. N'oublie pas, il te faut 5 caisses de matériaux pour le chauffage. 5 caisses de matériaux pour le chauffage? Je l'ai plus là. Je l'ai vraiment torché ce jeu, putain. Mais je comprends, après une fois que t'es dedans. Regardez, il y a quelque chose de spécial derrière les barils. Ah, il m'amène derrière un truc trop cool! C'est le boss, lui. Un petit bijou. J'ai pas trop voulu le sucre. L'alcool, c'est OP? Bon, je vais prendre l'alcool, là. Ok, bah, cimer. Mille merci. Ah bah après je lui ai filé une boîte de conserve. Alcool full value, ok. Ok, on est bon. Bah je me barre. Il doit y avoir quelque chose d'utile ici. Quoi? Attends, mais il me manque plusieurs endroits là? Non, il est dead là. Ah ouais, non, j'ai cru qu'il m'aurait montré un truc. Il me bait ou pas? Mais il s'en fout, il va aller. Là, c'est terminé quoi. Derrière les barils. Bah, il m'a filé le. J'ai pris, c'est bon. Il m'a filé son truc là, je pense. C'était juste le diamant. Je pense ensuite, il me disait juste son truc en mode ça servira quoi. Derrière les barils, il y avait le diamant. T'as pas regardé les barils? Si, c'était ça le diamant. J'étais sur le live de Locklear, bientôt un mariage avec Jill. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils nous ont volé 2 boîtes de thon. Ils nous ont revolé 2 boîtes de thon. Ça commence à faire beaucoup, moi, je trouve. Parce qu'au début, c'est une petite boîte de thon comme ça. Et ensuite, c'est de plus en plus. Bon, alors, attends. Non, mais il me manque encore full truc, j'ai envie de mourir, là. Là, je t'assure, j'ai envie de mourir, là. J'ai joué au Manor Spot, disais-moi. Tiens, dors toi. Afin d'avoir très faim. Personne n'a très faim. Besoin de repos. Mais lui, vas-y, c'est bon, wake up là. Je débarque un peu, il a l'air sympa. Ouais, alors c'est très. Bon, c'est très sympa. Pour être honnête, c'est très sympa. Pas grand chose à dire de plus. Là, là, c'est pas mal du tout. C'était ça que je voulais faire, c'était le chauffe-eau. C'était le chauffe-eau. Et le chauffe-eau, on peut le faire maintenant. On améliore le chauffage. Boum. Le chauffage est amélioré. Regarde la porte, il te faut quoi? Mais je peux pas faire la porte encore, il me faut le niveau 2 pour ça. En fait, là, pour avoir le niveau 2 de ça, il me fallait le niveau 2 de ça. Donc du coup, j'ai fait le niveau 2 de ça. Maintenant, je peux faire le niveau 2 de ça. On sait pas exactement ce qu'il faut pour la porte. Je peux la faire. La porte, c'est l'établi de base. Ah bon? Je crois que c'était l'inverse. Et là, du coup, on fait le chauffe-eau amélioré. Ce qui va nous permettre de cramer beaucoup moins de bois. Et je vois quelqu'un qui veut faire un... Peut vous m'aider. Ah, c'est là! D'accord, pardon, j'avais pas compris. Ok, super. Bah du coup, il me faut 30 boulons, 2 spéciaux et 2 diodes. Ok. Bon, Bruno, le cook, là. Toi, tu vas là-haut.
faim, besoin de repos. Alors vas-y, toi, tu ferais pas à bouffer un peu là? Ça ferait plaisir de temps en temps que tu te chauffes quand même. Sans casser les couilles, hein, mais. C'est quand même ton taf, quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit à la porte? Je peux me rendre utile, laissez-moi rester avec vous. Comment ça? C'est qui lui? Oh là, Marco. Désolé de vous déranger. C'est fou comme la vie peut être ironique, je suis pompier. J'ai passé ma vie à sauver des gens. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'aide. Ma famille a fui à la campagne. Je voulais la rejoindre, mais la ville a été encerclée, j'ai pas pu. Est-ce que je peux rester avec vous? Oh bah, une nouvelle personne. C'en est où le code de la route? Bah, nulle part, mais Marco est avec nous. Vas-y, on prend Marco. Comme ça fait plaisir de rencontrer des gens sympathiques. Oh bah, Marco! Petite blessure, mais attends, Marco, mais Marco! Mais moi, je te mets direct sur un bandage, Marco! Mais régale-toi, Marco, attends, là, qu'est-ce que tu me fais? Mais je vais me mettre un troisième lit, là! À des blessures, à des bandages. T'as faim? T'as quoi? Bio? Putain, toi, j'ai une équipe se défaite à la nuit. Comment le feu? Ah ouais, le pompier, là. Ah, Marco, il va partir en expérimenté, hein, en... Ah, il va nous... Le truc, c'est qu'il nous faut pas mal de bois, en fait. Ah ouais, elle en peut plus, elle. Bah, Marco, laisse-moi m'allonger quelque part pendant un moment, mes blessures me font mal. Voilà, t'es bien, là, Marco. Voilà, c'est une belle pause, ça. Mais est-ce que je ferais pas, du coup, un petit... Très gros sac. Marco a un gros sac. Ah, il y a marqué ça, pardon, j'avais même pas vu. C'est pour ça que vous disiez ça. Oh bah là, je me fais genre... Vraiment, je me régale niveau... Niveau cramage de bois, là. Ah mais je vais lui mettre un petit lit à Marco, en vrai. Ça me coûte pas grand-chose, un lit. Bon, j'ai repris des forces. Ah bah lui, ça fait 10 minutes qu'il est sorti. Afin, non, couche-toi, toi. Afin. Tu veux une petite soupe? Ah, tu vas, du coup, Pavel, il va pas sortir, pas servir à grand chose. Hein. Maintenant que t'as 4 persos, anticipe la bouffe. Ah tiens, mange. Marco, il a juste des blessures. Ah, mais je vais mettre 2 mecs pour monter la garde, c'est terminé là. Il a un air de Zera, effectivement. C'est vrai. Peut y avoir sans le mono sourcil et ce. Il y a un truc. Je suis d'accord qu'il y a un truc. Parolite. Merci pour le prime. Deux collecteurs. Je pense qu'on peut toujours pas faire deux collecteurs. Ça bouge pas. Hein. On a de la chance qu'il fasse pas froid ici. C'est vrai qu'il fait 19. Hein. Bon, parfait. Qu'est-ce que je pourrais craft d'autre? Bon, là, je peux rien craft. Bon, repose-toi alors. Marco, de toute façon, il est. On the floor. Ah, j'aurais bien fait un petit ça là. Bon là faut qu'on bouge. À des blessures, à des bandages. Mais attends, bouffe un petit médicament là. Ça va pas t'aider ça? Je me sens bien mieux, vaut peut-être garder les médicaments pour plus tard. Bah tiens, pose-toi dans le canapé là. Oh là là Marco. Marco content. Ouais Marco, viens là. Ils ont besoin de nourriture. En vrai, ça va. Lui, il est posé là aussi. Marco, soigne-le. Ouais, c'est pour ça que je le fous sur le lit, là. Allez, Marco. Bouge ton boule. Là, il est en bandage plus lit. Je peux te dire que là, Marco, il vient de cligner des yeux, là. Pavel, lui, de son côté, il est là-dedans. Non, bah là, on est pas mal, hein. Donc, du coup, si on résume, ce qu'on doit prendre pour la porte blindée. 6 bois, 30 boulons, 2 petits trucs, 2 diodes. Notez bien les petits trucs surtout. Hein. Bon bah là ça termine la journée. Hein. Il te faut absolument le niveau 2 de la porte. Non mais là c'est juste une... Ah je pouvais toujours pas scier, ouais. Où est-ce qu'on va vous pensez? Bah sinon je retourne au chantier. Hein. Chantier, on va trouver ça. Hein. Oh, il a 15, lui. Et on peut toujours pas... Ah non, on peut toujours pas partir à 2. Hein. Ça bouge pas. Hein. Ah là, c'est tout le monde qui... Fin, bah, monte la garde, toi. Et les 2 vont dormir dans un lit. Comme ça, ils vont se mettre bien. Nul chantier. Bah, on va où, en fait? Parce que... prudence recommandée. Quantité énorme de pièces. Ah, il nous faut beaucoup de matériaux, nous.
Quantité énorme de matériaux. C'est pas mal la villa en ruine. Hein. Deux gardes. Fais dormir Marco. Ah ouais? La villa, elle me chauffe bien. Là où il y a marqué danger, c'est chaud. C'est peut-être mieux de mettre hôpital. Hôpital est peut-être mieux. Et comme ça, je l'envoie collecter... J'envoie Pavel. On est en prudence recommandée. L'école. C'est où l'école? Visiter. Ah, c'est chaud l'école. Hein. Petit immeuble, c'est chaud aussi. Hôpital, c'est le seul truc sans danger. On repose Marco, comme ça Marco va aller charbonner après. Je lui mets un petit cut ou pas? Pourquoi deux gardes? On était bien avec un garde. Là, faut qu'il se repose. Tu vas te faire piller à l'eau. Pourquoi je me ferais piller si... Ouais, mais elle a des blessures, elle. Deux gardes, t'auras pas de vol. T'es sûr de pas avoir de vol? Bon, vas-y, je fais ça et je mets un petit couteau, là. Mais après, elle va être fatiguée à vie, elle. Ils sont pas fatigués. Ils ont des blessures. Ah, il y a déjà un mec ici. Tout prendre. On a le droit de se croiser, hein. Prudence, mon ami, je vous ai à l'œil. Ah, j'ai le droit d'être là, non? Et il va me suivre. Oh, me suis pas, gros, hein. J'ai envie de... Ah bah, voilà. J'ai envie de piller tranquille ou moi. Hein. Ah, mais c'est vrai que je vole dans l'hôpital, quoi. C'est des gens encore en... Enfin, c'est un hôpital en usage ou... Fume-les. Bah, eux, c'est quoi? C'est des militaires? C'est le même mec que j'ai tué ou pas? Après, le mec que j'ai tué, il était en plein viol, hein, donc... C'est quoi, ça? J'ai des médicaments à échanger, vous devez en parler au docteur. Ouais, dis-moi. Malheureusement, nous avons des patients dans des états plus graves. Ah. Chirurgie générale, voici l'extrait d'un rapport concernant les dégâts subis. 32 patients, 3 morts, 12 blessés. 13 patients, aucun mort. Pédiatrie, putain, 34 patients, 32 morts. Ah ouais, c'est... Et tout le monde s'en fout que je vole? Oh, petite diode. Et petit truc qu'on cherchait. Je sais plus comment on en cherchait de ça. On s'en fout du truc rotten, là. En fait, ce jeu te... On cherchait deux de ça? Ce jeu t'apprend à être une merde. Ah, c'est quelque chose, hein. Moi, je prends tout, hein. Ah, moi, je suis venu tout piller, hein, concrètement. Juste qu'on se... Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Les médecins le soignent. Je sais pas, il est bon coureur. Petite diode. Tenez, ici votre médicament. Et bon, on se barre. 6 bois, 32 boulons. C'est bien, j'en prends un peu plus parce que le bois, je pense, on va en avoir vraiment besoin. Ok, on se casse. Ok, grosse merde, ne me cherchez pas. Bon, on ne cherche pas, hein, on a trouvé. Les diodes, j'étais au max. Bon, bah parfait. On est de retour. Vous êtes 4 maintenant, il faut masse bouffe. Maîtrise de la criminalité. Oula, jour 20. À jour 20, on commence à connaître, hein. Quand tout se passe bien, j'ai trouvé plein de trucs. Te manque que des boulons. Je suis parti au jour 8 et je vois toujours pas mort. Ah non, mais là, c'est une perf, hein. Besoin de repos. Hop, hop, hop. Besoin de repos. Ah ouais, tu m'étonnes. Très fin. Ah, il va vrai. Marco a faim. Légère blessure. Ah bah, Marco, il commence à... Marco, faudrait pas forcer, quand même, hein. Ce serait con, Marco, que... On t'est mis là depuis le début et... Il se passe rien, hein.
Allez hop là, une petite bûche. Alors un troisième lit, ça coûte combien un lit? Ah ça coûte un lit hein. Ah ouais ça coûte hein. Non ça on va pas faire ça là. On a besoin de quoi ça? Que je vois un peu là. Ça vaut le coup de faire une cisaille? Je vais faire une petite cisaille. Est-ce que je retourne chez notre pote le clodo? Le clodo, okay, ça y est maintenant j'ai pris mes aises hein. T'as pas assez pour la porte? Ouais non mais de toute façon ça va être en plusieurs fois hein. Mais au moins on a ça quoi. On a une petite cisaille. Et Claudine. Hop là Marco. Il dort dans la cave Marco hein. On l'aime bien le bougre. Nous avons besoin de nourriture. J'ai faim. Non, non reste là, reste là. J'ai faim. Usage unique là, si. Ouais, c'est pour aller justement chez le SDF et monter, mais je sais pas si ça vaut le coup de revenir à nouveau là-bas. Ou si ça va être... que c'est peut-être un nouveau chemin qui s'ouvre quand même. Je sais pas du tout. C'est une grosse interrogation là. Je suis vraiment en grosse interrogation quoi. De mon côté, je sais pas vous. À l'église aussi. Ah bah de toute façon on va nous parler là. Ah ça c'est pour elle. Elle peut jamais dormir. J'ai besoin d'aide, ouvrez s'il vous plaît. Attends, on a combien d'eau? 10. Ça devient un peu tricky hein. On est encore large. On va se faire deux bails comme ça là. Ah ça coûte cher hein. Mais au moins ça sera fait. Comme ça lui il va pouvoir faire full bouffe. Ça va être bien comme ça. Parce que là on est un peu dans la galère hein. J'ai un diamant pour faire du troc. Ce serait peut-être bien que j'aille à la place centrale un jour hein. Pour échanger mes merdes là. Oula. Bien le bonjour, j'habite en bas de la rue et j'ai remarqué que vous vivez dans ce bâtiment abandonné. J'ai des informations pour vous. Il y a un ravitaillement aérien de l'aide humanitaire la nuit... Il y a eu un ravitaillement aérien de l'aide humanitaire la nuit dernière. Les rebelles se sont emparés de la plupart des conteneurs, mais ils en ont raté un. Il a atterri dans un no man's land, donc l'atteinte sera peut-être dangereuse. Mais nous devrions y arriver à la faveur de l'obscurité. Je vous montre où il se trouve et en échange, vous m'aidez à porter les provisions. Ça, c'est le bait classique, ça. Ça, c'est tout se passe bien dans le jeu. En même temps, on attend un peu qu'il se passe quelque chose. J'ai envie de tester. Faut tester le jeu, voir quel répondant il a. Allez, parti! Ah, j'aurais dû changer pour mettre l'autre, qui a 4 de plus. Pas dommage. Eh ben écoute. C'est triste, la vie. Ah, ça nous apprendra. Ah, c'est con. Mais c'est pas grave. Parce que ça aurait été bête de pas profiter... de Marco en expédition ce soir. Voyez-vous? Et ouais, les gars. Je sais que vous voyez. Je sais que vous voyez, on le sait tous. On est sur un... On est sur le good move, là. Là, on est sur le good move. Ça va pas être très intéressant. Pourquoi rip? Pourquoi vous me dites trip? Tout trip là. J'ai tellement faim. Je tuerais. À ce point? T'as mangé, non? C'est ça qui va mourir? Bon, moi je fais la nuit là. Je revins le craquage d'un homme. Je pense pas rip, hein. Vas-y, il va partir un peu collecter là. Vas-y, là, le Marco, j'ai envie qu'il collecte là. Mais sinon, on se fait un chantier, hein. Ah non, sinon c'était quoi? C'était église. Et je scie. C'est pas ça? Non, le squat, on n'y va pas. C'est pas église et je scie. Non, la place, c'est pour échanger. Et pour échanger, je prendrai Katia. Dans le lit. Église, il y a des barreaux acier.
pas y passer, fallait envoyer qui court plus vite. Maintenant c'est fait là, j'ai emmerdé. Et je pense qu'elle va s'en sortir. On se met quoi là pour... On se met une scie. On se met une pelle. On se met un couteau si c'est dangereux pour Marco. Marca. Bruno lit. Dors dans le lit. Ah non, je voulais monter la garde, pardon. On n'a pas besoin de deux mecs qui montent la garde? Quitte à ce qu'il soit mort. Toi, autant maintenant que les deux montent la garde. Pied de biche. Ouais, je me tâte un peu sur le pied de biche, là. Ça fait beaucoup après, quoi. Est-ce que vous vous souvenez si on a un truc à péter dans l'église ou pas? On a, je sais, un truc à péter, qui est la grille. Du coup, on a besoin de la lame. Mais est-ce qu'on a besoin du pied de biche et de la pelle? Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, quand même. Prends ton diable, sinon tu vas te le faire voler. Ah bah, j'ai juré que je me le fais pas voler avec deux mecs qui montent la garde, hein. Pelle sûre, pas la pelle. Bon, pelle au pire, il creusera. Vas-y, on y va comme ça. Tu pourras sûrement pas tout transporter. Ouais, mais la scie, du coup, elle va se casser, ça. Vas-y, cours, cours, fais leur peur, on s'en bat les couilles. Et Marco. Il va aller piller une église. Ah non, mais maintenant, on pille tout, hein. Devant le prêtre. Ah, je me suis relevé à temps. Bonjour, j'ai des choses à vous étendre. Ouais, parfait. Allez. Alors, qu'est-ce que t'as? Putain, merde, qu'est-ce qu'on cherche? Holy mother. On cherche ça ou pas? Ça, je sais qu'on cherche, mais est-ce qu'on cherche ça? On cherche les boulons matériaux plus plus? J'ai rien à trade. C'est pas faux. Les spéciaux, tu as déjà. Ouais, donc on a du tout, donc limite de la bouffe. Petite bouffe là. Contre 5 planches de bois. Ce qui peut me filer en bouffe. On va loot. Ouais, je vais loot et je reviens. Je te pille tout chez toi et j'arrive, gros. On va faire ça, trade rien. Bah du coup en fait je trade avec les trucs qu'il a chez lui, donc c'est assez agréable au final. Tu vois tout ça là, il y avait besoin d'une pelle. C'est quand même hein les gars. Là on va y passer du temps du coup hein. Ça aurait été pas mal d'avoir la pelle hein, en vrai. C'est con là. Putain, celui qui m'a dit pelle sûre c'était bien. Cet objet s'est cassé. Parce que là on va passer du temps. Allez hop là. Ça fout le loot. Là Marco il se régale. Allez. On est parti pour un petit moment les gars. Non parce qu'ensuite là on a des... En fait le truc c'est que là on a plein de trucs de merde. Qu'on va ensuite trade contre genre des bons trucs. Genre des bonnes bouffes à l'autre. Donc c'est cadeau. Tu vois, je pense que tu en as plus besoin de beaucoup. 26 boulons, je pense. Tu vois, le bois, on peut échanger, ainsi de suite, tu vois. Tu peux vider un... Repars, t'es full. Non, justement, je suis pas full. Parce que je peux encore porter, parce que je peux échanger contre lui, contre de la merde. Enfin, tu vois, l'inverse. Point faible, vol. Tu vas te blesser. Ah, Marco, je peux te dire que... Regarde bien, Marco. Marco, est-ce qu'il a l'impression de se blesser? Je pense que c'est pas mal. Contenter des matériaux. Voilà, quitte à tout péter. Mais du coup, il y a un autre espace après. Genre, on est chez des gens après. C'est pas mal, ça. Et où le prêtre, là? Il va pas m'aider à creuser? Ce serait plus sympa. Hein. Non, mais là, je vais finir ça maintenant, tu vois. Tant qu'à faire, hein. Pour info, quand c'est la main normale, c'est du loot, pas du vol. Pour le vol, tu as une icône particulière sur le loot. Ah, oui, le petit truc où on a l'impression que c'est le petit pousset qui dépose des cailloux. C'est donc ça? Je me trompe pas.
Ok. Donc là, tu vois, en l'occurrence, on est en full, full loot. Donc là, on a trop à porter. Du coup, c'est bonjour, il y a quelqu'un, bonsoir. Ah, toi, tu veux pas loot, toi, t'es en... Toi, on sait pas trop. Ah, je crois que t'allais me mettre une petite balayette, là. J'allais moyennement apprécier. Je vais prendre l'air. Prends pas l'air, prends pas l'air. Là, ce que je... Ah, toi, c'est que le bois qui te parle. Ah, toi, tu parles qu'en bois, quoi. Ah, tu parles en bois sur du sévère. Hein. Ah ouais, sur du bois... Ah ouais, d'accord. Genre, tout ça, ça vaut même pas un poulet, quoi. Ça vaut pas un poulet, ça? Quelle générosité. Mais il me douille, hein. J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Pas worse. Ah bah ouais, du coup... Bah du coup, je retourne et je vais refaire la même demain avec une pelle, quoi. Ouais, d'accord. Allez, on fait ça. J'ai tenté, hein, j'ai tout tenté. Qu'est-ce que c'est top de te suivre, un plaisir de te retrouver en live un lundi soir. On demande des... On leur demande des live chillards comme ça. Bah écoute, Toussaint, tous les lundis soirs, maintenant, je vais live. Ce que je disais là en début de live, c'est que ça me manque un peu, je live beaucoup. Attends, je vais juste baisser un cran, je suis désolé, j'ai mal aux yeux. Ça va, vous voyez comme moi, ça va en fait, vous voyez bien. J'ai... parce que sinon j'ai mal aux yeux. Mais bon, du coup le fond vert est un peu dégueu quand même. Ça ne remonte plus. Blessure profonde, Katia. Katia est de retour, hein. Katia a ramené des conteneurs. Katia, elle a ramené du café parce qu'elle aime ça, quoi. Bon, Katia, elle est en train de die. Très fin. Bon, déjà, mange une soupe. À des blessures. Bah, ça va... Et, non, et je disais, je live beaucoup l'après-midi, mais j'ai bien envie de live le soir, quoi, aussi. A besoin de repos. Nous avons besoin de nourriture. Bon, toi, pose-toi, déjà. Là, il nous manque quoi pour la porte en... La meuf avait du café, elle a sauté dessus. Ça fait mal, mais c'est supportable. Ouais, comment c'est... Ah bah, je peux faire une porte, là. Ah, je fais des portes, du coup. Ah, cette blessure. Les médicaments ne changent rien pour elle. Oh bah là, c'est fini, y a plus personne qui rentre. Hein. Là, y a plus personne qui rentre avec ça, non? Non mais les gars, là, on va gagner, hein. La douleur devrait vite se calmer. Lui, du coup, il se sent moins utile. Besoin de repos. Mais j'ai un lit en bas. Va là-bas. Tape des accélérations, du coup. Il faut des bandages. Bah, je viens de lui en mettre un. Pas mal, la porte blindée. La porte blindée, mais bien, là. Nous avons besoin de nourriture. Bah, vous avez pas faim tant que ça, en fait, du coup... Du coup, ouais, je sais pas trop, hein. Les autres persos peuvent lui apporter à manger, soigner au lit. Ah, je savais pas ça. Radio, ouais, pardon. Parce que là, du coup, on est pas mal, hein, quand même. Hein. Viande dans le piège. Pff, quelle folie, quelle folie. Y'a quelqu'un à la porte. Ah, va falloir un égo. Les températures vont fortement baisser. On attend de la neige dans le sud-est. Bon courage. Et je suis prêt là pour l'hiver? Oh désolé, elle a besoin de... Oh c'est pas grave, vas-y je la laisse au lit, je la laisse au lit. C'est Marco qui va négo, hein, c'est pas grave. Marco va aller négo. Bon là du coup... On est un peu peut-être dans la merde là. Il faudrait... Je vais amener un diamant pour négo je pense. J'aurais dû prendre le diamant pour échanger. Qu'est-ce que vous décidez? Katia. Non mais Katia elle est en train de crever. Katia elle est en train de crever. J'ai besoin de quoi moi? Du bandage déjà. Grosse négo. Ah Katia elle fait vraiment la diff à ce point? Bon bah vas-y hein, lui il va gérer la bouffe au roi alors. Katia. Voilà en vrai il me faut tout hein. Faut que je lui échange tout quoi au gars.
J'aimerais bien que tu cours, s'il te plaît, Katia. Faut pas attendre les clients ici. C'est gentil. Allez, on repose. Parce que là, on se fait de l'eau, du coup. Je pense qu'il faut continuer à faire de l'eau. L'eau, on en est où? 10? Ah, on a 16 d'eau maintenant. Ouais, elle est pas bien. Ah, lui, Marco, il peut peut-être faire la radio à nouveau. Montrez-moi ce que vous voulez échanger. Bon, alors, il me faut ça. Il me faut concrètement de la conserve. Qu'est-ce que je voudrais d'autre? Pas mal, déjà. Ça, parce que je vais en avoir besoin pour des merdes. Genre le piège à rat, je pense que c'est pas mal. Ah mais il y a ça aussi, il va falloir que je fasse combustible. Ouais mais là ça va être technique. Hein. Je sais pas si ça va lui plaire d'avoir que ça. Hein. Là j'ai l'impression qu'on est un peu léger. Hein. Quelle générosité. On en pense quoi là jusqu'à présent? Du trade? Je trouve ça pas mal. Honnêtement, je trouve ça pas mal là. Vous en pensez? Ah, il me manque les balles aussi. Et du coup, si je teste ça, il me manque un peu. Achète bandage, matériaux, bois. Peut-être que le bois, je pourrais. Ah, mais il n'y a plus rien. Ah, il me fait qu'un deal. Qu'est-ce que je peux lui vendre, moi? Je lui vends un couteau si tu veux. Quelle générosité. Ah, le couteau, il kifferait bien. Enlève combustible. Après, ça coûte presque rien, donc il te le met dans la balance, quoi, aussi. Fertilisant. Là, je suis pas mal, hein. En vrai, là, je suis pas mal. Hein. Juste peut-être me tèche ça. Et partir là-dessus. Comme j'ai déjà ça, j'ai déjà du bois. Je pense que c'est pas mal. Ah, mais on peut renégo. Ah, mais attends, on peut négo, mais on va être... Ah non, Marco. Marco, va à la radio, toi. Nous, on discute entre hommes et femmes d'affaires. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre qui va t'intéresser, toi? Parfois, ils aident, parfois, non. Je peux te vendre la hache, en vrai, elle me sert plus à rien du tout. La hache me sert plus à rien du tout et potentiellement un couteau. Mais en vrai, il faudrait que chacun soit armé, donc c'est chiant. Là, c'est quoi que je voulais faire? Concrètement, ce que je voulais faire, c'est passer ça en niveau 2, c'est ça? Et il me faut des diodes, il me faut ça, il me faut du bois, et il me faut toutes les merdes du monde, quoi. Postiche Bill, merci pour le sub. Pas assez. Ah merde. Ah bah il a vite craqué en fait. Moi j'avais l'impression que je pouvais enchaîner comme ça. T'as la porte blindée, non plus besoin de couteau. Je peux lâcher, votre offre est vachement impressionnante. Marché conclu. Et là, je peux lui gratter quoi? Oh, il abuse là. Un peu de poulet, ça serait pas mal. Un peu de poubou là.
Ok, mais alors dans ce cas, t'en rajoutes un de là. C'est pas mal. T'es le meilleur des streamers. Bah gros, je suis en train de cliquer sur... Je suis en vieille négociation contre un marchand, là. J'essaye de les arnaquer à chaque fois. Célienne Rock, merci pour le troisième mois. Cool, le jeu. Ouais, il est sympa. Je suis là, je joue ma vie à rajouter des boulons, tu sais, dans... Ah, si j'enlève un boulon pour mettre deux de bois en plus, est-ce que ça passe? Non, pas le couteau. Bah, le couteau, en vrai, je le fais assez facilement, donc... Bois. Ouais, mais bois, c'est chiant parce que... Tu vois, le bois, il kiffe trop. Le bois, je peux le douiller sur autre chose. Là, j'ai un bon deal. Il y a l'autre qui est en train de cavaler encore. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux te gratter encore? Café. Café, tu me files du bois. Quoi? Tu me files même pas deux de bois pour du café? Mais t'es malade, toi, gros. Est-ce que ça vaut le café ici? Mec, on s'arrache le café, en fait. Et toi, t'es là, t'es... Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, mec. Hein, gros, allez, file-moi au moins un petit sucre. Tu me files pas de sucre. Petite goutte d'eau. Ah, deux gouttes d'eau. Tu veux pas deux gouttes d'eau? Alors, deux gouttes d'eau et un brin de maïs. Ah non, ça passe pas. Hein. Ah, un petit peu d'herbe, non, rien du tout. Prends pas de bois. Un fertilisant vaut plus que le café. Ouais, je pense que là, il vaudra pas plus. Hein. Le bois, c'est facile à trouver. Ouais, qu'est-ce qui est chiant à trouver concrètement? L'eau va être chiante, en vrai. Parce que si ça gèle, comme on m'a dit, ça va être très chiant. Fertilisant, il me sert à rien. Trade plus. Ah bah là, du coup... T'en penses quoi du derby, un supporter stéphanois? Tu m'étonnes. Bah écoute, le sourire, hein, le sourire, on est là. La tête haute. Ouais, je suis désolé, je vais essayer juste de... Yes! Ça passe à deux bois. Allez, ça ira. Neige plus combustible égale eau. Ah! Stan Zoliton signale que des militaires ont commis des actes de violence à l'égard de civils. Ah, ça part en couille totale. Le porte-parole des rebelles nous a informé que certains quartiers risquent d'être inaccessibles aux civils puisque les forces gouvernementales prévoient de prendre d'assaut la ville, dans l'espoir de mettre un terme au combat avant l'intervention internationale. Bon bah si, merde gros, hein. C'était bien cool en tout cas, on se check ça. Mon estomac gargouille. Et puis j'espère que nous allons réussir à être au chaud. Alors, on est plus qu'à 18, hein. Je vais m'allonger pendant un long moment. Ouais, pose ton boule toi. T'as bien fait, hein. Bon, faim. Tout le monde a faim, mais tout le monde n'est pas non plus en péril, quoi. Tiens, Pav là, qui court vite. Fais-la dormir, ouais, va dormir, elle va dormir. Concrètement, j'ai quoi maintenant? J'ai 28, j'ai 24 d'eau. Ah, l'eau, je suis régal max, hein. Là, l'eau. Il nous manque 12, 8 de bois. Tu vois, on avait besoin de ça. 5 boulons, 12 merdouilles, 8 de bois et 4 diodes. Oh, j'envoie Marco. Hein. On envoie où Marco? Où là? Fais un lit. Non, mais tout le monde a un lit. Ah, il a besoin de repos. Bah, va au lit en bas. A besoin de repos. Tout le monde a besoin de repos. Sauf Bruno. Bruno, on sait pas ce qui branle. Il a pas vraiment besoin de repos. Il est là. Il a juste envie de fumer des clopes, Bruno. Bruno, il est là, c'est... Supermarché. Dommage que t'aies pas de sucre. Bah après, on n'est pas parti sur un truc de... On n'est pas ambiance polonaise, nous. A besoin de beaucoup de repos. Bon, elle, faut la faire dormir à vie, Katia. Rien ne vaut un bon somme. Alors lui, legit, il s'est reposé 10 secondes. Bon bah là on est en fin de journée. Hein. Salut Pop, j'arrive à l'instant, qui peut me résumer le jeu? Ah je soulève des gens là. Teuf, merci pour le 3 mois. Bon, alors, elle est dort dans un lit. Marco a faim, besoin de repos. Ah besoin de repos, il peut collecter hein, le con.
pas non plus nous faire chier, le gars. Ça monte la garde à 2. Ah, est-ce qu'il y a besoin de monter la garde à 2 ou pas, là? C'était ravi, mais je suis dead. Pas de soucis, poteau. Essaye de l'arrêter avec la... 1, ça va. Ok. Mais du coup, est-ce que même le mec qui a un besoin de repos, il peut sortir? Supermarché. On a fait 67%. On est pas mal. Beaucoup de médicaments, beaucoup de pièces. Là, il nous faut du matériau, là. Pff, je vais aller là. Hein. Je vais aller à l'hôtel. Hein. Je vais aller à l'hôtel. Ah non, bah, sinon, je retourne... Bah, sinon, je retourne juste là où j'étais. Je retourne à l'église, concrètement. Je retourne juste à l'église. Ah non, j'ai la pelle. Il me reste une pelle. Ouais, il me reste une pelle. Et on a pas besoin d'un pied de biche? Un petit pied de biche. Je pense un petit pied de biche, ça pourrait être bien. Pelle pied de biche, pour assurer. Pelle pied de biche en sécu. Plat du pied de sécurité. Allez, c'est parti. On connaît par cœur. On est là tous les samedis. Bonjour. J'ai l'habitude de piller ici, normalement. J'ai sommeil. Ah bah sinon... À un moment, ça va peut-être partir en couille, je vais tuer tout le monde. Hein. Ah, là, c'est le moment où tu veux échanger, c'est vrai. Ah, t'as des belles choses à échanger, toi. Ah, t'as du bon, toi. Pas intéressant. Kagami. Merci, Kagami. Mais lui, il est là, du coup. Bah, je vais ouvrir chez toi, gros. Hein. Je vais juste piller chez toi, en fait. Hein. Alors que, vas-y, fume ta clope, frérot. Allez, fume bien la clope, hein. Propriété privée. Mais jure. Rien à foutre, hein. Je le dépouille. J'en ai rien à branler. On va se parler des vraies choses maintenant. Ça fait 10 heures que je commence à jouer à le jeu, j'en ai mais rien à branler. Tiens, les clopes, rien à foutre. Qu'est-ce qui est le plus chiant à trouver? Ça, il nous manquait, hein, ça. Ouais, ça nous manquait. Il manquait quoi d'autre? Ça, ça a l'air pas mal aussi, ça. Ok, là, ça, c'est de la merde. Tous les trucs un peu trop merdiques, là. Ah, les clopes, ça va aussi, hein. Ça, les trucs de guérison, c'est bien. Combustible, on va être en galère. Reviens demain. Ah, bah, moi, je vais bouger, du coup. Vas-y à toutes les mecs. Hein. Salut frérot, y'a quelqu'un. Salut gros. Vas-y, moi je me pète. Vas-y les gars, bah. Au nom du père, hein, de tous là. On se voit très vite. Toujours cool les moments où on les voit. Creuse à droite. Ah, vous voulez que je pèle? Ah, vous êtes fort. Je reviens. Vous voulez que je creuse à droite, comme ça je reviens sans pelle. C'est ça votre plan? Pff, vous êtes vraiment... Non mais là il va se rendre compte là. On lui a pété des trucs. Il va se dire... excusez-moi. Je n'ai plus rien. Alors, je ne vous juge pas parce que vous vous appelez Marco. Loin de là. Mais il est vrai que j'avais tout et désormais, je n'ai plus rien. Ah non, il n'y a pas l'air de... Et j'ai pas un petit truc limite à casser. J'ai quoi, là? J'ai un pied de biche. Je peux pas mettre un petit coup de pied de biche. Voilà, bah, je continue à... Magnifique, ça. Hein. Sublime, hein, ce qui est en train de se passer. Je vais pas échanger. Si, si, on va échanger maintenant qu'on est là. Maintenant qu'on est là, mon pote. Y'a quoi ici? Ah, mais maintenant qu'on est là. Ah, je peux te dire que ça va revenir à l'église. Hein. Là, c'est église all the night. Allez, c'est bon, on se casse là. L'autre Plouco, s'il arrive là, on va pas prendre de risque. Hein. Il descend ou pas? Ah, il est passé en haut. Bon, Marco, il a mérité un bol de soupe. Hein.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais un petit bol de soupe. Quelque chose de sympa. Voilà, un petit peu d'épices. Il met ce qu'il veut dedans. Du pain brioché. Oh, j'ai du petit pain brioché Nutella. M'en parlez pas. Alors, les balles, on en a pas besoin en fait. Mais du coup, de quoi on a besoin, toi? Olek. Bon alors, Olek. Qu'est-ce que tu me proposes, Olek? Moi, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai un peu de cacao, si tu veux. De café, toujours. On n'y arrivera pas. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'on peut se dire, concrètement, qu'on n'y arrivera pas. Je pense que c'est bien, non, de faire ça, là. L'alcool. Ouais, l'alcool, c'est de la merde. Moi, j'en veux pas. Ah, mais je vais pas avoir la place. J'ai pas la place de ramener tout ça. Garde les balles et vend l'alcool. Il revend les trucs qu'il la péta. Ah, c'est propre, hein. Garde les choses value pour le troc avec la meuf la journée. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Ah, il est pas con, hein. Ah, il a dit quelque chose de sensé, là, le gros, hein. Ah, moi, je partais, là, comme ça. Il a dit quelque chose qui était pas... Ça m'a frappé, quoi. Ça m'a touché. Ah, j'ai changé des boulons. Moi, ah, je vais revenir demain. Je vais revenir demain. Ah, c'est pas con. Allez, on court, hein. Bon, c'était pas mal, hein. On va aller piller plus souvent, lui, hein. En plus, Marco, il sait pas négo. Oh, tu sais. C'est vrai qu'il sait pas négo, quand même. Mais bon, on s'est fait quelques boulons. Quelques boulons gratos, ça fait pas de mal, hein. Jour 22. Non, mais avouez que là, je vais gagner, non? J'ai l'impression que je vais gagner, cette run. Ah, on a été pillé. Mais juste, on leur tire dessus, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Besoin de beaucoup de repos. Là, je peux comprendre. Comment elle va? Triste. Ah bah merde. Après que je m'apprêtais à quitter le quartier de mes parents, vaincu, une amie d'enfance m'a reconnu. Je pensais qu'il m'aiderait à découvrir ce qui m'est arrivé à ma famille. Pourtant, c'est moi qui ai fini par aider. Une jeune fille du coin était retenue captive par l'armée sous de faux prétextes. Tout le monde s'était rassemblé à la base pour protester de sa libération. Ils avaient besoin de soutien. Mais du coup, là, jour 22, elle repense à ça, elle. À très fin. Boris, là, ce serait peut-être temps de faire à bouffer, là. Là, Marco, il a ramené full bouffe. Vas-y, graille ça. J'ai besoin de repos. Dors, 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 toi, là. Dors, dors, dors. Voilà, dors, pose-toi. Oh, la vache. Je dirais pas non, un peu de rab. Alors, après les autres. Voilà, on se fait ça, là. Magnifique, ça. Magnifique. Très fin, besoin de repos. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas besoin de repos? Exactement. Très fin. Et comment j'amène... Ils sont tous... Vol égale triste. Pourtant, c'est que nous avons des provisions, peu importe dont... Ah, c'est pour ça? Oh, mais t'en fais pas. Je sais que c'était cruel de prendre leurs provisions, mais c'était une question de survie. Ah ouais? Si nous survivons, nous devrons remercier Marco. Voilà. La réalité qui reprend le dessus. Allez, un petit bol, là. Allez, un petit bol aussi pour... Non, pas pour toi, dégage. Et le Bruno, là. Le Bruno, il a voulu tout de suite, hein. Regarde-le, hein. Baisse la tête, Bruno, ouais. Tiens, Bruno, fais une petite clope, Bruno. Petite clope, tu mérites bien une petite clope. Ah, on peut pas en faire. Désolé, Bruno. Écoute un peu la radio, Bruno. On a froid. Ah, c'est vrai qu'il fait froid. Ah, c'est vrai que l'eau, il fait froid, là. Là, je me rendais pas compte. Je vous mets deux bougies. Je vous mets deux bougies. J'ai bien fait, en tout cas, de mettre le chauffe-eau loin de tout le monde. C'était une belle idée, ça, encore. Ça, c'était bien vu. Les forces rebelles et gouvernement sont engagées dans de violents affrontements. Dans toute la ville. Certaines zones étaient complètement isolées. Ah bah, du coup, moi, je vole. Dans une étoile sociale que des militaires ont commis des actes de violence à l'égard de civils, le porte-parole de l'Arménie. Pas le pays. Températures ont fortement baissé, on attend de la neige. Ah ouais, là c'est la crise, là. Là on est en situation de... Ok. Est-ce que...
Ah, de légères blessures. On a un peu de pansement là. Dommage qu'ils n'ont plus de cigarettes. Lui, dès qu'il court, il pense à ça. Je fais un deuxième piège à animaux ou pas? Je sais plus quoi faire là. Oh, c'est un palace là. À deux bouts de bois, c'est. Eh, faut qu'on ait ça. Hein. 8, 12, 4. 8, 12, 4 et on est en armure niveau 3. Et ça sert à quoi d'avoir ça là? Remplir des douilles vides afin de les réutiliser. Mais on n'a pas besoin de ça en vrai. C'est quoi là notre objectif? Y a pas des lampes qui chauffent. Ah, c'est vrai qu'on pourrait faire des lampes qui chauffent. Non, mais c'est pour un truc genre. Pour faire des plantes à la maison. Je crois que c'est pour faire des plantes à la maison. Il faut un potager. C'est quoi le potager? C'est jardin de plantes? C'est quoi le potager? C'est ça? En dites-moi. Que je comprenne bien, là. C'est jardin de plantes, hein. Eh ben, on va farmer. On va se faire un deuxième petit piège, hein. Allez. Deuxième petit piège. Ce qui fait que, normalement, on en aura toujours un. Non, je peux rien améliorer, là. Ça, c'est niveau 2, ça, déjà. Ça, c'est niveau 2 aussi. Ça devient difficile d'améliorer. Hein. Le jardin, il te le faut niveau 2. Et la guitare. Au grenier, le piège. Moi, j'ai tout fait pour qu'on fasse le moins de temps possible. Fais de l'alcool. Honnêtement, là, mec, je vais juste envoyer Marco. Ah, beaucoup de repos, quand même. Il dit beaucoup de repos, quand même. Le vol est-il le seul moyen de ce dont nous avons besoin? D'accord, ok, ils vont commencer à être parano. Enfin, pas parano, mais... Je peux mettre plus de barricades ou pas encore? Non, je peux pas, je suis au max, là, j'ai déjà blindé la porte. La guitare, bah, il me faut une guitare endommagée, quoi. Du coup, c'est mort, hein. Atelier de métallurgie, on en a déjà un, il n'y en a pas besoin, ça, on a déjà. C'est soit distillateur d'alcool. Et ça, de toute façon, j'ai zéro de tout ça, donc... Là, la question que je me pose, c'est est-ce que le gars va venir ou pas? Et ça, si j'améliore, ça fait quoi? Marika de la porte de derrière, je peux pas encore choisir. Ça permet de confectionner de vrais médicaments et des cigarettes roulées. Ok. La faim, il est triste. Comment je lui amène à bouffer, elle? Ça pourrait être sympa, là, hein. Non, tu manges là. Moi, je sais pas. Il viendra pas, il est trop tard. Bon bah, nouvelle journée, hein. Comment ça va se passer cette nouvelle journée? Eh ben Marco. Eh ben comme ça, alors tu pars en visite. Eh ben. Afin dormir dans un lit, fin, lui va monter la garde. On va faire un mec qui monte la garde. On retourne à l'église, hein. Enfin, là, c'est cadeau. J'y vais avec quoi déjà? Pied de biche, j'avais besoin. Je crois que j'avais tège tout, donc juste pied de biche. Hein. Juste ça part en pied de biche et au cas où quoi. Au cas où qu'on soit dans la merde. D'accord, Adai. Tu vas revoler. Non, je vais explorer. Rien, faudrait une scie. Ah, y a aucun moment où... Au pied de biche et au cas où. C'est ça, putain. Allez. Ah, ça court, hein. Plus de pression. Salut tout le monde. T'as quoi aujourd'hui? Non, mais ça bibi quand même pas mal, hein, ici. Hein. J'ai besoin d'air frais. Oh, le mec, mais attends, c'est incroyable. Il a les timings. J'arrive, il a besoin d'air frais. Non, ça quand même, ça commence. Bonjour, salut frérot. Viens fumer là. Parce que là, c'est que des paroissiens, en gros. Je vais tout prendre les trucs qu'on a là, déjà. Vole pas. Bah, je vole pas, là. Je check à droite, quoi. Parce que je pense que ça va me les... Ils vont devenir fous, quoi, si je vole à nouveau. Ah.
J'ai cliqué sur l'œil juste après. Ah, de la diode. C'est bien ça. Là, faut faire attention parce qu'il y avait un mec. Je vais recliquer pour pas faire un... Ah, il est de l'autre côté. Oh, vrai bail là. Ouais. Pas si fou. Petit fertilisant. Et le nounours, on pourra plus l'échanger, je pense, avec le prêtre que. Qu'autre chose. Comment ça, j'ai loupé une grande partie de mon streamer, bref. Ah bah là, mec, ça fait 6. Il est potentiellement très relou là le mec, non? Là, le mec peut me fumer quoi, concrètement, non? Ou c'est très chill, il va juste se dire oh, quelqu'un chez moi! Pas grand chose là. Enlève la barricade, mais j'ai pas pris le. Non, tu l'as déjà vu tout à l'heure. On va mettre un petit temps du coup. Trop envie de voir comment ça termine. Bah j'avoue que là, je suis curieux aussi. Hein. Ça va être une VOD ça sur Domingo Replay. Gros. Putain, j'avais même pas vu Ara, pardon. Merci pour le tier 3, 43 mois. Ton avis sur ce jeu? Bah honnêtement, je kiffe bien. Un peu lent peut-être à des moments pour moi, tu vois. Les délires de farm, de craft et tout, parfois ça me saoule. Pas dans le jeu, mais généralement dans les jeux, c'est pas ce qui me plaît le plus, tu vois. J'ai beaucoup de mal à me mettre dessus et là... Là, honnêtement, je suis plutôt bien, quoi. Donc, merde. Ça va partir... Merde. Ah. Ça va partir sur 4 VOD. Je sais pas, hein. Parce que c'est compliqué, 4 VOD. Plus comme je suis dans un mood très chill, tu vois. Tu sais, la nouvelle VOD, généralement, elle démarre sur... Ouais, du coup, bah, je vais aller chercher un peu de bois. J'ai jamais joué à Subnautica, mais beaucoup de gens m'en parlent. Mais ça a l'air d'être un peu ça, ressources et tout, tu vois. Je sais pas. Chaque fois que je te regarde, je découvre de nouveaux jeux. Bah là, on découvre des bons trucs, hein. T'inquiète pas que je suis à moitié claqué, j'ai même pas fait gaffe que tu avais pas vu mon réabo. Ça va sinon, Ara? Perle forgeron. Bah là, je suis... Là, c'est bon, là, ça rigole plus, là. Eh, vrai diode, hein. Il est là-haut, là, là. Eh, c'est bon, je veux... Et là, je vole chez lui, du coup. Enfin, qu'on soit en toute impunité, là. Là, je suis vraiment... Un petit livre, ça leur ferait du bien. Vous pensez que leur amener un petit livre, ça peut être bien? Tu voles rien, c'est pas l'icône de vol. Ah oui, c'est vrai. Mais je suis con, bien sûr, le petit livre, excusez-moi. Bon, t'as vu le tabac, je le ramène pour l'autre. Hein. Ah ouais, je vole rien là. Je sais pas comment rejoindre. Y'a pas un escalier là? Comment je monte là-haut là? C'est calme. Bah attends, je vais monter de voir, gros. Il peut péter un câble ou il dit quoi lui? Genre il peut péter un câble ou pas? Tiens, je te referme la porte à la gueule. C'est particulier. Hein. Le MG, tu l'as déjà vu la dernière fois. Gros, je suis en train de piller des trucs au Kosovo, en galère totale. Les mecs sont en train de se manger leurs doigts de pied, si tu veux. Donc, que je l'ai vu ou que je l'ai pas vu, ça change pas grand chose. Hein. Les mecs t'accueillent avec un flingue à la main. Bon, belle prise. Y a pas de mort. Non, c'est. Ah non, c'est tout bon. Hein. Triste, besoin de repos. Triste à nouveau là?
pour culpabiliser d'avoir volé après avoir survécu à cet enfer. Ah, oh, je suis assez d'accord. Hein. C'est un peu triste, mais... Afin... Afin... En déprime. Ah, oh, faut que quelqu'un aille la voir. Ouais, déprime, elle. Oh bah ça se tchatche là. Katia, tu ne dois pas abandonner. Tout le monde va discuter avec elle là. On est vraiment tous là pour toi, Katia. Comment Marco a-t-il pu laisser ces gens sans presque rien? Ah mais ils sont pas faciles, hein. Oh, ça a attrapé en plus. Voilà, mange un peu, mange un peu. Heureusement que j'ai ce livre. Mais c'est la pire des merdes, Bruno. Bruno, je t'assure, il vient. Je t'avais pas non un peu de rab. Bah écoute, il est pour toi le rab en fait. Températures ont fortement baissé en attendant la neige. Ok. Se vante d'avoir éliminé un gang de passeurs qui font quitter la ville aux habitants. Force de révéler les autres sont tels affrontements. Ah, c'est la merde. Musique classique là. Petite radio classique. Allez, boum. Allez, tiens. On va chercher le poule-poule là. Ça suffira pour le moment. Bon, pose-toi un peu, toi. Fallait picoler. J'avoue que ça peut peut-être être bien. Petit verre de tease, hein. Quand on est perdu pour perdu. Ah, on peut mettre la radio comme ça. J'avais même pas vu. Allez, petit shot, là. Boum, en solo. C'est moins triste, ça, non? Tristesse absolue. Rien de tel pour mettre de bonne humeur. Ivre. Ah bah voilà. Bah alors, bébé. Qu'est-ce que tu me fais? 20 degrés, il fait. Il fait 20 degrés, mais attends, mais c'est la folie, là. Il me faut encore des merdes. Bon, on va où, maintenant? Jurassic, merci pour le 4 et moi. Voilà, ok. Pose-toi un peu, pose-toi un peu. Tranquille, on respire. On est bien. Là, il faudrait le mec qui vienne, là, en vrai. Faudrait vraiment aujourd'hui que le gars vienne. S'il vient pas, ça va être un peu chiant. Petit immeuble que t'as pas fait. Il y a certainement plus intéressant à faire que ça. Oh là là. Oh là là. Elle est en full galère là. Et voilà trois gars qui font picoler une meuf. Ça devient technique là. Hein. Le mec passe tous les trois jours. Rien de voix en bon somme. Allez, des petites clubs, ça fera plaisir à l'autre. C'est vers midi, maison calme. Maison calme, t'es sûr? Fin de légère tristesse, fin, triste, fin, besoin de repos. Ouais, le truc, c'est qu'il faut qu'on arrête, quoi. Moi, j'ai envie de faire des kills. Hein. Là, ça commence à me... Il me faut deux scies à l'église. Non, à l'église, il me faut plus rien. Si on continue à l'église après. En fait là pour tout vous dire, je suis dans un dilemme de je commence à fatiguer de ouf, mais en même temps reprendre le jeu au jour 23 un lendemain de jeu, c'est très mauvais bail, tu vois. C'est pas un truc qui marche très bien ça, d'expérience. C'est pas un, ça réussit pas beaucoup. Attends, on va faire ça toi. Il y a l'autre qui est bourré là, il va faire ça. Du coup, je continue, mais je suis un peu... tu vois, j'ai envie de... C'est pas un shooter de mi-tuade de l'heure de conséquence. Ouais, j'imagine, j'imagine, mais... T'es genre, j'ai envie de cette touche de fun qui se casse un peu la routine, qui est plaisante aussi, hein, tu vois. Mais...
En vrai, là, je sais pas où aller. Faut pas que tu craques, on est là pour toi. Je suis à deux doigts de craquer, les gars. Parce qu'on commence à avoir visité pas mal de trucs, tu vois. Place centrale, on n'a pas fait. Accès impossible des combats. C'est long, sérieux. C'est un peu long, moi, je trouve, là. Mais... École bombardée. Oh, je vais là. Avec mon Marco. Mon Marco, il va à l'école bombardée. Ah, il y a du danger. Il y a du danger, mais on n'est pas sûr de... Tu vois? Et je prends un couteau, du coup, comme il y a du danger. Là, ça me parle, là. Et je prends un pied de biche. Là, honnêtement... Non, Kalash, ça va être trop. Prendre Kalash, c'est vraiment... Je viens shooter tout le monde, là. Ah, mais si je vais, je prends la Kalash, c'est fini, hein. Prends la pelle. Parce qu'en fait, Kalash, je vais forcément partir en couille. Cinegod, merci. Alors que pour l'instant, je crois qu'on a tué qu'un mec, hein. Bon, on a un couteau. Donc comme ça, on pourra tuer. Tu voulais du fun. Ouais, mais c'est... Enfin, c'est pas du... On a... Ça fait 6 heures qu'on joue... Merde, je fais que courir. Oh, mais on est déjà allé, là. Oh, ils sont trop chiants. Va peut-être falloir en tuer un, quand même. Parce que soi-disant, c'est de l'échange. Ah, test école sur la précision. Nous pouvons faire des échanges. Du balai. Il me gère. Marco se fait gérer. Ok. Tout va bien. Alors, tout va bien. Bon. Je pense que c'est inévitable que de dire qu'il y a eu craquage. Ça, c'est évident. Mais je pense que c'est important de dire aussi que c'était pas forcément un bon endroit d'aller là-bas. Quelqu'un est venu. Ah, quelqu'un a voulu nous piller pendant ce temps. Bon, Marco est mort. Après, Marco prenait beaucoup à manger. Hein. Marco prenait vraiment beaucoup à manger, voilà. Je te tiens à vous le dire quand même. J'aimerais que ce soit quelque chose qui soit dans notre raisonnement du quotidien. Qu'est-ce qu'il bouffait, Marco? Et Alexa se resservait. Gueule de bois en déprime. Oh là là, elle m'emmerde un peu, hein. C'est qu'une question de temps. Vas-y, parlez. Voilà. Ça sert à rien de toute façon. Une onde, tu l'as envoyé au casse-pipe. Ah, je sais pas, je pensais qu'il allait être un peu plus chaud, moi. Voilà. Pavlov, nous sommes là, tu sais. Je savais pas, non, un peu de rab. Lui, il est en train de grailler en solo. En déprime. Déprime. Lui, il est pas en déprime, hein. J'étais dans mon restaurant, ma Chloé est mort, heureusement que c'était pas moi. Il s'en bat les couilles, Bruno. Bruno, il en a rien à péter. Marco, nous allons faire ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive à personne d'autre. Jamais je ne pardonnerai le tueur de Marco. Marco, pardon, on se souvient plus de son prénom. Bon, venez bouffer, hein. On a besoin de toi. Voilà, c'est... Pardon, tu as raison, mais ils se font un vrai discours, hein. Ah, de légères blessures. Ah. Ouvrez, j'ai quelque chose. Vas-y. Va manger, toi, comme ça. Et là, en plus, on a du... PA 15 places. C'était beaucoup, 15 places. Je suis d'accord que c'était beaucoup. C'est pas fini, hein.
Marco, il a jamais été dans la line-up de base. Hein. Non, il n'y a pas ce qu'il nous faut pour... Mais il nous faut quoi, là? Là, il nous faut quoi, là? Il fait 16 degrés, là. Il fait 16 degrés, j'ai même pas allumé le chauffage, les gars. Dites-vous un peu ce que c'est si je l'allume. On en est là, nous. Faire le potager. Ah, voilà, c'est ça qu'il me faut. Alors... Le potager, il nous faut... Bah, c'est parfait, ça. C'est du bois et du... Ça, c'est quelque chose. Ça, tu vas m'avoir ça tranquille. Voilà, un peu de bois. Je sais même pas combien, mais genre ça. Ça. Côté, qu'est-ce que je te propose, ça? Présenter, il va t'en falloir plus. Un petit bouquin. Non, un peu plus. Bah, un ourson. Comment ça va être dur en affaires, toi? Commence à m'emmerder, toi, là. Pas le livre. Bah, j'en ai deux. Donc, au moins... Une conserve. J'avoue que je peux craquer. Pas assez. Revoyez votre offre. Ah ouais, mais là, tu commences à te faire kiffer, gros. Bah, y a un moment où... Ah ouais, c'est... Ah, vous connaissez, hein, j'essaye de négo pour une petite merde. Oh! C'est pas grave, je vais prendre ça. Votre offre est franchement impressionnante. Ah ouais? Il est très con, lui. Il est très très con. Qui j'ai jamais vu un mec aussi con. C'est fou d'être aussi con. Faut venger... Oh putain. Me dites pas qu'il faut le venger ou que... Sinon je vais y aller avec une calache. Hein. T'as vu, je lui fais un peu de café pour... Pourquoi tu reprends du café? Parce que l'autre est déprimée. Si, elle l'utilise mais naturellement. Genre elle a pas besoin de... Attends, mais du coup, on va pouvoir avoir ça. Vengeance. Et on va les buter. Hein. On va les buter. Ah, mais là, vous me faites faire n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'on va aller les buter. Hein. J'ai 10 balles. Je prends toutes les balles. On va les buter. Ça va, on a 72 conserves depuis le début de la game, là. Moi, juge, je perds mes potes. Ça me fait mal. Attends, bah, envoie tout ton bois, comme ça sera fait. Pas assez, mais putain, tu me fais chier, toi. Quelle générosité, du coup, tout ça parce que je t'ai filé du poulet, quoi. Pas assez. M'emmerde, il m'emmerde. Il m'emmerde. Marché conclu, parfait. Ça, j'ai un... Oh, l'outil de crochetage, il est horrible. Hein. Il sert vraiment à rien. Ah, ça m'énerve, on sait pas la valeur des trucs. Oh, merde, je vais tout refaire. Le coach. Le coach. Le moment difficile. Le moment de dérapage. Garde la clope. Ah ouais, non, mais là, je sais même plus ce que je dois donner, je sais même plus ce que je veux. Je peux donner ça, moi. Ah, je voulais le bois pour au moins c'est réglé. Vas-y, prends-en un deuxième. Et là, tu prends ça. Tu me fais pas chier. Pourquoi je gratte? Pourquoi je suis ce mec-là, là, qui essaie tout le temps de gratter? Je joue contre un bot. Allez, c'est bon. Va-t'en. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, au moins je peux faire ça. Petit jardin des plantes fabriqué. Jardin des plantes, on se le met là. Jardin des plantes, il régale. Jardin des plantes, va pas falloir qu'il insiste trop. Hein.
Allez, jardin des plantes, il est là. Dehors. Bah non, justement, dehors, ça va mourir. Il a des petites clopes, il a tout, lui. Oh, on peut se faire des bandages. Ah non, on pouvait pas se faire de bandages. Il a une petite clope, c'est parfait. Il peut se reposer. Elle est en déprime. Oh là là. Ah, fais-toi du café. C'est l'intérêt du truc. Ah, c'est déjà fait du café. Marvinori, merci pour le 5e mois. Au moins, il fait chaud. Ouais, dehors, c'est pas sain pour les plantes. Ah ouais, là, du coup, on va avoir une petite lampe. Boum. Et qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, avec ça? Des herbes. Ah. C'est bon. Je sais plus quoi faire, là. Je sais plus quoi faire. Je vous le dis, je sais plus quoi faire. Je vais aller parler avec elle, sinon elle va mourir. Améliore. Non, mais je peux pas améliorer, c'est trop long d'améliorer. Il faut trop de ressources à chaque fois. Genre, vous vous rendez pas compte, les ressources. Juste, elle a envie de tchatcher, elle. Bon, vas-y, ils vont se taper des barres, du coup, mais... Attends. Attends, va dormir, toi, limite. Et... Un déprime. En fait, elle a pas envie de parler à Bruno. Genre, elle déteste Bruno, je crois. Genre, elle le déteste. Genre, il provoque aucun... Il provoque rien. Tenzo, merci pour le prime. Bon, je suis désolé, mais là... Là, il y a Marco qui est tombé au combat, là. Cette calage sont là depuis le début, d'accord ? Là. Là, ça va tomber. Hein. Là, je vous le dis, ça va tomber sec. Hein. Là, il y a une première cible, tout le monde va tomber là. Je peux forcer la serrure avec mes outils. Ah, je dois passer par le haut. Enfin, bah c'est pas le but du jeu quand même. Hein. Le but du jeu est pas ça. Alors, si jamais je collecte quand même, je vole un peu et je collecte. Voilà, ça fait toujours plaisir. Mais ce qui est bien, c'est que c'est roleplay. Hein. Parce que... Il voulait se venger, quoi. Oh. Il y a pas mal de monde, hein. Le truc, c'est que si je descends là, ça va être la merde, quoi. Ils ont eu Pavel aussi. Ils ont eu Pavel. Je voulais pas descendre. Il y a eu un souci. C'est un pour un. Pavel, il a un de ratio. Je tiens quand même à le dire. Tu l'as suicidé. Non, il a tué le tueur de... Il a tué le tueur de Pavel. Enfin, de Marco. C'est Bruno. Oh non. Oh jure, il n'y a plus de couteau. On va crafter un truc pour Bruno.
Oh, on craft un truc pour Bruno. La nuit a été calme. Yes, ça aurait fait chier de mourir dans la nuit. Bruno, viens là. Bruno, fous une bûche. Ah non, mais là, faut venger des gens, là. Ah, c'est léger. Comment ça, on n'a pas deux de bois? Je comprends pas bien ce que tu veux dire quand tu dis qu'on n'a pas deux de bois. Je comprends pas bien. Il y a toujours pas l'hiver, what the fuck. Mais ouais, c'est trop chelou, genre... c'est pour ça que je comprends pas, c'est que... Casse le lit. Je peux pas casser le lit, j'ai plus la hache. Comment je fais? Concrètement. Bruno au poing. Je peux casser le lit, Vous voyez ce que je veux dire? Bah elle est morte elle, hein, je pense. Hein. Attends le marchand. Bah le marchand c'est demain du coup. Je suis parti 20 minutes, c'est parti full en fils. Ah non non, c'est pas parti en couille là, on est en... Là on est en world record les gars. Ah. Ah blessure. Bruno s'est fait baiser à la maison. Heureusement, on a tout ce qu'il nous faut. Katia n'a même pas été vue, en fait. Ah, Bruno, il cavale. Hein. Ah, Bruno, il fait genre, mais il cavale. Hein. Bruno, il peut encore envoyer. Hein. Putain, je lui file un petit médicament. J'ai 72 médicaments, les gars. Prenez, prenez, je t'assure que ça sert plus à rien. Non, attends, fais pas à bouffer, toi. J'ai pas envie qu'on tombe dans des... Dans les clichés sexistes. Parce qu'au final, c'est Katia, hein, pour l'instant, qui est en KD1 infini. Hein. On se souvient de ce militaire, là. Elle avait pas hésité. Voilà, on se fait 5 bouffes, là. Katia, elle va y aller. Hein. Alors, le truc, c'est qu'il nous faut toujours... Est-ce que c'est aujourd'hui ou pas? Il fait plutôt frais. C'est ça qui fait pas non plus chaud-chaud, quoi. À de légères blessures. Non mais Katia, elle sait pas, mais... 6 degrés, c'est pas la folie. Hein. 6 degrés, c'est presque le moment où t'as envie de te frotter contre Bruno juste pour te réchauffer, puis tu te rappelles que c'est Bruno, quoi. Hein. Tu te dis, bon, on va peut-être pas non plus déconner, quoi. Ah, on a plus rien à brûler. Ah, ça c'est con, ça. Ah ça, j'avais pas, je l'avais pas en ligne de mire, ça. Qu'on avait plus rien à brûler. Ah ouais, ouais, ouais. Ah là, c'est la merde, là. Ah, Griffsu, bienvenue. Hein. Ah, t'arrives pas au meilleur moment, Griffsu, là. Et on peut pas se taper avec une scie? Moi, je pense qu'une scie, ça peut... On va y aller à la... avec du fertilisant. Livre ou bois. Pourquoi? Pour se réchauffer? Boum. J'ai détourné le regard une seconde et il n'y a plus que deux personnes. Ouais. Non mais comme quoi Ebola fait encore des ravages. Hein. Non non mais... Ah je vous assure c'est... Le genre de maladie comme ça, voilà. On est entre proches, on est bien. On tourne la tête, on revient. Il n'y a plus que Bruno debout. Ah, moi, ça me... Ça me scie. Ah, mais je peux foutre du livre. Ah, bah voilà, je te fous un livre. Il est à combien le world record sur ce jeu? Parce que c'est super long, une game. Je suis d'accord, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce que... Bon, de toute façon, vous me connaissez. Hein, que ce soit aussi long, quoi. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un... C'est très... En fait, ce que je peux juste reprocher au jeu... Le jeu a l'air incroyable, honnêtement, il est très stylé. À des moments, je fais un peu, mais bon, on connaît. Hein. Mais c'est que c'est très monotone parfois, tu vois. C'est très genre. Ça manque un peu à des moments des trucs de. Bon,
soit un choix, soit un truc à faire, soit ouais, plus linéaire que monotone. Ah, monotone un peu aussi, hein. Monotone rentre dedans. Mais je sais pas ce que je fous là en plus. Bah là, on va aller se coucher, hein. Non, j'attendais en vrai le vendeur là. C'est quand? C'est 1h30? Vous manquez juste d'empathie. Ah, moi, je suis toujours tout de suite pris d'empathie, hein. Pour Bruno, notamment. À 1h30, c'est passé. Il est pas là, le gars. C'est pour ça que le mode histoire est sorti. Hein, ok, d'accord, qui est plus séquencé et tout. Bio, qu'est-ce qu'elle dit? Jamais je pardonnerai le tueur de peuple. Katia, me dis pas que c'est à toi d'y aller. Oh, Katouche. Non, mais Katouche. Toujours Katouche. Ah non, là, ce qui va se passer, c'est que là, on va... Que lui ont-ils fait, Bruno? Bah Bruno, il est là, hein, si jamais. Si jamais tu te prends d'amour pour Bruno, il est juste en dessous. Hein. Il est en train de crever dans le lit à côté du tien. Ah, je l'ai peut-être pas fait dormir. Bon bah là, du coup, faut aller à l'église. Hein. En vrai, faut juste aller à l'église. Et on va échanger un peu. Hein. Qu'est-ce qu'on peut échanger? Oh bah, je peux te dire que la diode... Tiens là, tu veux un mixeur? Mon père, est-ce que vous voulez un mixeur? Moi, je veux des armes maintenant. Tiens, un peu de thon là. Là, on va à l'église, ce stuff, et ensuite, on va fracasse l'autre. Ah, mais déjà, elle y va... Je suis où là? Je suis où là? Oh non. Oh non, je suis pas parti là. Oh non. Oh Dieu que non. Oh, ça serait terrible. Si on a rien du tout, ça serait terrible. Un ourson. Oh non, ça c'est le coup dur. Ça c'est le coup dur de 6h30 de jeu, ça. Pas assez attentif. La souris qui dérape. Ça fait toujours mal. Mais il y a du bois. Et qui dit il y a du bois, dit on pourra se faire un couteau. Rave, merci pour le prime. C'est pas fort, vous, là? Le truc me hurle dans les oreilles. Eh bé... Petit pétou. Clac. Clac. Tiens, ça, c'est pour Bruno, ça. Pour la famille, ça. Non, ça va. Ah bah, c'est moi, alors. Eh bé... Petit café. Petite diode, là. Eh bah, il y avait encore fou le truc, hein. Et on se bouge. Apparemment, la guerre s'arrête entre 25 et 50 jours. Inès, moi, je vais... prendre la diode. La diode, c'est bon bail? Non, mais là, c'est... J'ai juste l'impression que je suis en train de relancer une game, là. J'ai juste l'impression que dans cette game, je suis intombable, quoi. Entre 20 et 75, j'ai entendu. T'aurais un bon jeu de chill, genre le jeu après un LOL ou un truc frustrant qui te détend, pas complexe, pur plaisir. Bah, si t'as... Faut avoir 15-20 minutes devant soi, quoi. Mais si t'as 15-20 minutes, je te conseille un petit This War of Mine. Ça se cale bien. Honnêtement, ça se déguste sans... Voilà, faut... En rapido. Entre deux activités, ça se fait bien. Moi, j'ai posé ma journée de demain, là, ça y est, j'ai prévenu Théo. Ouais, je lui ai dit, bah, j'essaye de rush le jour 32. Il a tout de suite compris, hein. Tout de suite, il m'a dit, écoute, y'a aucun souci. J'ai vu ce qui s'est passé. La pause déj. Petit run. Ah, puis il est mort, Bruno. Il s'est jamais réveillé. Non, on rigole, mais... Bruno... Dicey Dungeon est bien, ouais, là-dedans. Ouais, Dicey, un bon choix, ouais. Boum. Je dirais pas non, un peu de rap. Toute sa vie, il a dit. J'ai jamais vécu pire trahison, là. On peut taper à la hache ou pas? Je t'assure que j'y vais à la hache, hein.
J'en ai plus rien à foutre, hein. La hache, on tape. Ouais, ça va à la hache. Hein. Ça va à la hache, c'est bon, c'est fini, hein. C'est besoin de repos. Tiens, fallu à bouffer, toi. Tiens, 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 va t'asseoir, tranquille. Prends un peu de soupe, prends un peu de soupe. Tu finiras pas aujourd'hui, Gofro. Non, arrête, ça me ferait chier de jeter la game, là, quand même. Pire move. Bon, ça, c'est pas comme si... Il y a deux de mes persos qui sont tombés dans les escaliers, quoi, donc forcément... J'avoue que si je peux récupérer les loots, c'est le meilleur bail. Bon plan, ça. J'ai quelque chose à troquer. Oh! Oh! Oh, mais je suis trop con, du coup. Attends, il nous faut quoi? Ça m'étonnerait, la hache n'est pas dans la catégorie arme. Oh non, me dis pas que... Ah, sinon, il me faut que trois petits trucs, hein. Ah, ça, on n'aura jamais un... Trois petits boulons. Trois petits boulons, il est là. Trois petits boulons, allez. On y va. J'aurais besoin de bandages. Ferme ta gueule, toi. Il commence à me saouler, lui. Hein. Il en a full. C'est pour moi. Ah, c'est pour moi. Je te donne tout ce que tu veux, gros. Enfin, genre ça. Rien à foutre, c'est la seule fois où je vais pas te négo, mon gars. C'est la fin, c'est la dernière fois qu'on va se retrouver, ça. Dernière fois qu'on se verra, ma gueule. Oublie pas d'échanger les pilules. Oh non, là, je... Là, j'ai qu'un objectif, là. Un seul objectif en tête, là. Putain, le truc, c'est quand même... J'avoue que le moment où je suis descendu, là, enfin, à l'échelle... Ah, c'était décevant. Ah, la descente à l'échelle après avoir fait le premier kill. Ça a fait un peu chier, ouais. C'était pas exactement l'objectif, quoi. C'est où? C'est l'école, hein. C'est à l'école que je dois régler mes comptes, on est d'accord? Confirmez-moi bien ça. C'est à l'école que toute ma famille est morte. J'y vais au couteau et il restera une hache si jamais. Pour un certain Bruno. Allez Katia. Allez Katia, direct. Ah, le pas... Oula, pardon. Le pas bien élancé. Katia, là, on a un peu le regard bovin, là. Mais non, jure. Je peux loot. Je peux loot son cadavre. Je loot son cadavre. Oh. Je loot mon... Je loot. Mais il faudrait limite que je rentre et que je... Non, ça serait infernal. Et c'est con que je sois tombé là. J'ai besoin d'air frais. Attends. Non, non, non. Je laisse semi en vie. C'est ma technique. Je pense qu'il descend en bas. Il descend pas. Culé, il descend pas. Il va venir là. C'est horrible. J'ai déjà fait cette erreur. C'est pas la première fois que je fais cette erreur. Prêt à tout maintenant. Sors, sors, Katia. Katia s'est fait full patate. Le mec, il a rangé son gun et il l'a déchaîné. Ah, oh, Katia, putain, ce qu'elle a pris. Ah non, elle a ramassé, Katia. Mais on voulait pas. Katia est faible physiquement. Ah là, mais le gars en face, je soupçonne un petit peu de Krav Maga. Un petit peu de Krav Maga.
Mais léger, hein, léger, mais un tout petit peu. Le mec, tu sens que voilà. Eh ben, mon Bruno. Eh ben, 4 degrés, hein. Eh ben voilà. Il les a tous éliminés. Il mange ses soupes. Ça suffira pour le moment. Ça se régale. Bon alors, mon Brunax. Elle est où la hache? On est prêt? Oh! Accès impossible à cause de la neige. Oh! Oh, je vais chez les vieux du coup. Avec des médicaments et de la bouffe. Les sauver. Et une hache, on sait jamais. Si jamais ils font trop les beaux quand même. On veut savoir où ça en est d'eux là. Ah bah ils sont juste morts en fait. En fait ils sont morts depuis un bail quoi. Ah bah il y avait des bails hein. Ah ils sont genre tous morts. Oh non. Bruno c'est pire que la peste. Non mais Bruno je t'assure qu'il va peut-être pouvoir survivre hein. C'est surprenant le taf de Bruno hein, là. Bruno là ça y est je me reconstruis hein. Pendant tout ce temps j'étais un peu en galère Là maintenant enfin c'est un autre homme quoi. Ça sert à quoi cette pièce? Rien. Bah ils avaient une conserve depuis 20 jours quoi. Ouais mais bon si t'as vraiment envie tu vois. Après c'est ça aussi hein. On parle beaucoup, on a l'impression que les gens n'ont pas vraiment envie de survivre. Bah moi j'avais envie de survivre. C'est verrouillé. Ah il a pas les outils. Bon bah ça rentre à la maison hein. Ça va bouffer du merlan hein. Allez. Avec un peu de chance la guerre s'arrête hein. Non mais attends en vrai. Il me faudrait surtout du bois. Vas-y détruis ça là. Voilà mets des grands coups là. Ah cool tu joues au jeu sorti day one. Ah bah ouais. Sinon Allez comme ça je vais prendre du bois. Et au moins en vrai je peux survivre hein. Mais genre assez longtemps je pense. C'est un boom. Tout ce qu'il nous fallait. Flac. Et lui là qu'est-ce qu'il veut? Ah non mais Bruno par contre il a un seul objectif hein. je rigolais pas hein. Il veut clairement se foutre sur la gueule avec les autres hein. Là, ce que je recherche, moi, c'est mes limites, déjà. Oui, en effet. On le glisse. Tu pourras pas faire de la garde de la nuit, t'es tout seul. Ah, c'est pas con, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas besoin de ça, moi. Ah, mais du coup, si la neige bloque l'accès à l'école... Je vais... Jour 30. Fin de la guerre. Bruno, président. Ah ouais, là, c'est quand même ça l'ambiance, hein. Là, c'est quand même ambiance. T'as envie de te mettre une petite laine, quoi. Qui a remarqué que personne ne montait la garde? Ah, ils nous volent. Ça, la France. Chaque fois... La prochaine fois, ils passeront. C'est inutile. Ah Bruno, on garde la tête haute, hein. Ah Bruno, on se laisse pas avoir, hein. Parce que ça, on connaît, hein. Là, ça nous l'a déjà fait. Là, c'est dans la tête, Bruno, hein, que ça va se jouer, hein. Faut savoir si on a envie d'aller les chercher, hein. Petite radio, peut-être. Moins 5, c'est vrai que là, ça...
Ah, moins 5, ça tabasse. Il a des légères blessures, je veux mettre un petit bandage, histoire de... 3 degrés, 3 degrés, 3 degrés, là, c'est t-shirt, hein. 3 degrés, là, mon pote, je peux te dire que t'es... t-shirt short, hein. Tu mets pas de pantoufles, hein. Ah, ça. Bon, besoin de repos. Mais du coup, on irait... Non, on peut pas craft un flingue. Je te doute bien que j'aimerais bien. Quoi, il y a un truc devant? En raison de récentes pénuries, le prix des cigarettes et du tabac est devenu extrêmement élevé. La mort pèse lourd, les balles des tireurs d'élite, les obus de mortier, les basses températures entraînent la mort de nombreux civils. Putain. Les températures sont encore très basses. Les gens récupèrent tout ce qui brûle. Ah bah ouais, tiens. Je peux cravacher un peu ici, là. Ah non, mais je vais... T'inquiète même pas que... Que moi, du chauffe-eau, je peux t'en faire, mon gars. Hein. Moi, la crise, je l'ai connue. Hein. Est-ce qu'on va en tirer de bombe? Bah, je sais pas, gros. Mets les mains dedans. Vas-y. Il faut pelleter la neige. Ouais, je comprends. Ah non, tu peux faire un petit... Tu peux faire des petits bails. Des petits bails de mec obscur, quand même. Hein. Mais tu peux faire des petits bails. Et boum. Prochaine fois, ils passeront. C'est pour ça que tu détruis ton abri, mec. Ça, c'est la classique russe, ça. Oh, 21 bois. Oh, bah alors là, mec, je suis bien. Hein. 21 bois, je suis tellement bien. Ah non, mais... J'ai limite envie d'accompagner Bruno dans sa vie, maintenant. Ça ne sert à rien, de toute façon. Ils nous tueront tous, en fin de compte. Eh, Bruno, c'est toi qui vas les tuer. Hein. Moi, je veux un kill. Hein. Deuxième chauffage. Ah non, mais on va mettre... Parce que ça fait quoi, là, si je mets 20 morceaux, là, dedans? Comment on fait? Retourne voir la fille à la maison tranquille. Bah, j'y suis allé, les vieux sont morts. Il te faut un autre poêle à bois pour chauffer plus. Ah ouais, là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est... Je peux pas 20. Non, mais tu vois l'idée, genre, ça me nique, ça sert à rien. C'est pas intéressant. 6 max. Ça dure longtemps ou c'est de la perte de temps et juste il passe à 15 degrés De toute façon, pour faire un chauffe-eau, faut l'autre truc, donc... Allez, hop là. Je l'ai mis bien, là. Là, je le mets au max, là. Eh, jour 30, n'empêche, hein. C'est dingue, hein. Bio, qu'est-ce qu'il nous dit? Maudit voleur. Je vais pas me faire tuer comme Katia. Peut-être que je pourrais rester dans le refuge pendant que quelqu'un d'autre part chercher des provisions. Et quelle salope! Même quand il est tout seul, hein. Est-ce qu'il reste de la nourriture à quelqu'un? Il faut que je mange quelque chose. Ah, c'est incroyable, Bruno, hein. Ah non, mais Bruno, ça aurait été vraiment une expérience avec lui, hein. Après, le pauvre, j'avoue que là... Ah ouais, là, c'est pas la folie, hein. Là, t'es pas en folie, là. Ouais, là, t'es... On va terminer la journée, là. Allez. Impossible, accès impossible. Bah je pense faut aller collecter, hein. Là on va mettre du barlou, là. Hein. Là je vais juste... Y a juste un gars qui va prendre un coup de hache, hein. Vous voulez aller où, là? Vous me dites où vous voulez aller, hein. Dormir. Non mais dormir, là il est mort, là. En fait il va devenir fou, je pense. Avant poste militaire. Non non, ça a l'air trop dingue, ça. Non. Qu'on ait une chance. On a une chance, tu vois, de tuer un mec, récupérer une arme. Villa? Villa, on n'a pas fait. Vas-y, je suis chaud pour la villa. Ah non, parce que si c'est pour... C'est là que ça, tu vois. Ah, je suis au point, ça marche pas la hache. Ah, déjà, j'arrive, je suis pas full vie, quoi. Je sais pas.
pas comment rejoindre cet endroit. Déjà, c'est la loose, quoi. Ah, déjà, il arrive, il se cache. J'ai pas double-cliqué. Jure. Jure. Ah, je cours. Attends. Je prends un petit bail et je me barre. Oh non, ça suffit. Ça suffit de... Ça suffit d'être un loser, d'être un raté. Oh non, il va me tirer dessus. Il va me tirer dessus, je me casse. Je me casse, il va me tirer dessus. Fais du bruit, puis cache-toi. Mais je peux pas me battre au point. Je vais pas l'assommer. Ah non, c'est la fin. Oh, Bruno est mort tout seul. Les jours de grand froid sont terminés. Oh, Bruno! C'était pas le suicide pour Bruno qu'il fallait. Bah alors, mon Brubru. Mais Brubru! Mais c'est nimble, je suis trop fort. Attends, je vais récolter le... Bruno a passé l'hiver. Bruno qui choque, c'est fini la déprime maintenant. Hein, je t'en remets un là. Hein. Qu'est-ce qu'on va en tirer de bon? Bon, casse pas les couilles Bruno, hein. Deviens fou là. Bruno est passé challenger. Bah l'hiver il dure 15 jours. Ouais, après c'est de la gestion de game, hein. Tout dépend, voilà, ce que t'offres au jeu et le jeu te le rend. Hein. Donne-lui de la bouffe. Ah, je vais lui faire manger une petite barquette de thon. C'est plus facile de tomber malade avec un... Ouais. Ces conserves sont apparemment très nourrissantes. Bah voilà, tu te régales, mon Brubru, là. Ah, tu nous emmerdes pas, là, hein. Ah, t'es pas le dernier pour te plaindre. Voilà, un petit quatrième réchaud, là. Putain, il me faut un truc de ça et un truc de ça. Ah. Oh. Il passe pas aujourd'hui, le mec du... J'en ai assez, j'en peux plus. Non, non. Y'a quelqu'un à la porte. Putain. Allez, on y va, là. Remonte le moral à fond. Qu'est-ce que vous décidez ? Prenez mon mixeur. Donne-moi de la bouffe. Il va m'en falloir plus. Reprends ça, reprends ça. Reprends ça. Revoyez votre offre. Tiens, je te mets ça alors. Je te mets ça. Si tu veux d'autres. Prends tout, mec. Prends ça. Ça appartient à des morts, ça. La hache. Prends tout, prends tout. Prends tout. Quelle générosité. Ça, c'est trop pour lui. Un petit bandage, c'est trop pour lui. Je suis désolé, je suis reparti en égo, du coup. Hein. Hey. Un peu de tabac, là, pour mon frérot. Qu'il se fasse une bonne grosse clopasse, là. Tu vois ou pas? Je vends pas la munition. Bien sûr que je vends les munitions. Oh, imagine, là, je peux pas acheter parce que j'ai oublié un élément. Ça serait incroyable dans le choc. Pfff. Ça aurait été fou, hein. On sent qu'il va partir pour une dernière mission. Sa dernière mission. Ah non, mais là, Bruno, il a... Bruno, il a dit au revoir à tout le monde, hein. Bruno, ça y est, là. Ah non, il a fait ses... Bruno, allez, va te rouler. On va trouver une bonne grosse clope roulée dégueulasse, là. Allez, mon Bruno. Elle est pour toi, celle-là. Ah, celui-là, là. Des belles cigarettes, hein. Des belles cigs, mon Bruno. Des belles cigs. C'est pour toi, mon frérot. On l'a vécu, cette histoire, ensemble. Brunax. Avec ton regard de braise. Toi. Oh, toi. Qu'on a appelé mon conquérant.
Mon grand fou, mon cuisinier. L'homme qui a toujours pensé aux autres avant lui. C'est pour toi qu'on le fait, mon Bruno. What the fuck, il s'est passé quoi? Il y a 30 minutes, vous étiez 4. Ça, c'est... Tu verras la rediff. Ça s'explique pas. Ça se vit. Ça se vit, ce genre de choses. Alors, on a Bruno qui fait son rituel. Pas beau à voir. La mort pèse lourd. À qui le dis-tu? Un besoin de repos. Va dormir, Bruno, va dormir. Allez, Bruno, là. Ah, c'est une fin de journée. Le feu. Ah, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans une nuit au moins où il fait plus que 8, ouais. Attendez. Est-ce que vous pensez que du coup, s'il fait plus beau et qu'il fait moins moche, on va pouvoir retourner à l'école militaire? Enfin, à l'école bombardée, là. Non? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais à 100%. Ouais, Bruno doit aller là-bas. Ça serait trop moche que Bruno meure ailleurs. La nuit était calme. Oh yes, putain, c'est vrai qu'on aurait pu se faire braquer. Mal dormi. Pourtant, il fait 6 degrés, je comprends pas. Si seulement j'avais quitté la ville. Alors, ferme ta gueule, Bruno, là, hein. Longtemps, faut te le rappeler, hein. Afin. Ouais, c'est... Allez, mange-toi un bon gros... Il a fumé déjà ou... Ah, il a fumé 3 clopes dans la nuit, le gars. Ah bah, il les crame, hein. Tu l'as fait dormir à terre. Non, non, c'est son lit, ça. C'est pas un lit nul, hein. Mal dormi. Il est plus déprimé, hein. Ah, regarde, il va faire un petit peu de... matériaux. On va faire fondre de l'eau. Oh, non, non, on n'a pas que ça à foutre. Nous, on va faire un bonhomme de... Ça devient trop dur. Non, un petit bonhomme de neige. Oh, oui, mon Bruno. Et le Bruno? Et c'est qui? C'est le Bruno? Oui, c'est le Bruno qui fait son bonhomme de neige. Eh oui. Oh, mon Bruno. J'aimerais une bonne nuit de sommeil sur un vrai lit. Eh bah, tu fais un bonhomme de neige. Chacun sa vie, mon Bruno. Ah, ça serait bien que ça se calme un peu, là, parce que... Ah, c'est long, hein, le bonhomme de neige. Je pense que... Oh merde, je l'ai fait dormir par terre. Ah, c'est vrai que c'était dormir dans un lit qui était pas mal. Barberousse, merci pour le deuxième mois. Il peut se branler, Bruno. Bah, y a Branlette qui pose une belle question, hein. À 2 heures, Twitch et autre chose. <C'est>... Bruno, va falloir accélérer, hein. Là, clairement, Bruno, là, le bonhomme de neige, ça commence un peu à me tendre. Il est 2h du matin, Bruno, ici. Ah, Bruno. Bruno arrive bientôt à la moitié, ouais. Une balle de sniper perdue pendant qu'il fait son bonhomme de neige. Ce serait une belle fin pour notre Bruno, le sombrero. Hermilon, merci à toi pour le sub. Bienvenue. Merci beaucoup, on est combien là? 4996. Eh, les 5000 on les lâche pas. Enfin un peu, mais difficilement et c'est beau. Tantiex, merci pour le 7e mois. Merci beaucoup les potes pour le soutien, ça fait super plaisir, n'empêche. Bon, je vous parle un peu, hein, comme Bruno est un peu occupé là. Pourquoi il reneige? Je sais pas, il neige tout le temps, j'ai l'impression, hein. Ça n'arrête jamais. C'est un cumul de neige permanent. Toc Chef 2 prévu sinon. Ah bah c'est en train de se prévoir, mais ça va mettre un peu de temps, hein, pour le coup, le temps que ça sorte et tout. Apoti166, merci beaucoup pour le Prime. Notna, merci beaucoup pour le 2e mois. On est 5000 à 2h. Ah non, vous êtes pas 5000 viewers là. Vous êtes beaucoup pour un jeu comme ça après 6 heures de jeu. C'était marrant, on a passé une vraie bonne soirée. Skozy, merci pour le 4e mois aussi. 5000 avant la mort de Bruno. Oh, les 5000 avant la mort de Brubru. Il commence à faire froid. Ah, Brubru qui a les mains... Il a pas de gants, hein.
C'est-à-dire qu'il y a 30 minutes, tu te plaignais que la neige n'arrivait pas. Non, mais entre-temps, j'ai craqué. Tu vois, c'est pour Bruno, c'est gentil, Armilan. C'est genre. Enfin, Isa Cosplay qui a aidé aussi en plus, merci beaucoup. Je dors avec nervosité. Juste parce que je sais que vous êtes très égoïste dans ce moment et que là, pour l'instant, vous pensez qu'à vous. Mais Bruno ne va pas bien, il vous parle. Voilà. Donc, continuez, hein, ne pensez qu'à vous, mais. Oh putain. Le live de Gotha va finir, tu vas passer à 15k follow. Ah bah pour être honnête, là j'attends que ça. Hein. Là je te le dis, hein, j'ai conservé le live au maximum juste pour pouvoir avoir quelques viewers pour leur montrer en sortie de Master Kill bah, le bonhomme de neige de Bruno. Voilà, de live, de ambiance. Bah... Ah, bienvenue à tous, toute la commu Fortnite. Bah voilà, du coup j'espère que vous allez bien et ce soir on est avec Bruno. Alors Bruno a mal dormi. Bruno est un peu triste, mais Bruno est bon cuisinier. Et ça, c'est quelque chose de beau. Il fait 9 degrés, hein, il va rentrer. Il va aller faire un petit somme, puis il va aller tuer tout le monde au couteau. Voilà, voilà le type de stream que je fais, moi, assez régulièrement. N'hésitez pas à follow. C'est gratuit, ça permet de soutenir les streamers. Créativeur, merci pour le 20e mois. J'ai pas besoin de repos et y en a plus rien à foutre. Il est déter. Oh non, visiter, c'est impossible encore. Dormir dans un lit. Bruno s'est radicalisé. Oh bah non, mais il va. Jour 33, mais ça se régale. Mais il va faire beau bientôt. Nous avons été pillés. Bah prenez, le Bruno légèrement blessé. Ils lui ont mis 2-3 gifles. Ils passent, ils prennent, ils grignotent et tout. Ils se réveillent, ils lui mettent une tarte, tu vois, c'est marrant. Légèrement malade, légère blessure. Bon, voilà, ça le réveille. Bruno se réveille dans le dur. Clairement, là, c'est. Ah, c'est pas les réveils qu'on aime, hein. On se sent forcément un peu violé, quoi. Les gens sont venus à la maison, ils ont tout pris. Quasimodo. Mais il est là encore, hein, il est debout. Hein. Un peu blessé, mais pas trop. Hein. Il va prendre des médicaments. Je les avais bien stuff, hein, quand même. Mais demi-heure, mettons les choses dans l'ordre pour une première game. Sérieusement, t'as bien géré. Quand je finis de prendre le professeur, je vais gagner. Hein. Bon, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant. Ouais, mais non, mais là, ça, on va se faire piller à vie, là. Il va prendre des coups de couteau dans... Moi, je pense que c'est bon... Parce que là, on est d'accord qu'on va crever, là. Au bout d'un moment. T'as plus à coups de médoc. Ah bah là... il est sous médicament, je peux te dire qu'il est surtout, hein. Ah non, il peut pas prendre plus. Monte la garde de nuit et dors la journée. Non, parce que c'est peut-être bien. Ouais, mais là... Tu vas crever à l'école, oui. Non, je vais pas crever à l'école, ça, Isa, là, faut... Qui y croit? Qui pense que Bruno peut finir avec... avec quelqu'un achevé? On va laisser Bruno dormir. Ah, mais là, il y va légèrement malade et sous médoc, là. Est-ce qu'on le ferait pas dormir un jour de plus? Est-ce qu'on le ferait pas monter la garde? Et il dort toute la journée, et il y va le lendemain. Tu vois, pour qu'il soit en condition max. Est-ce que vous le voulez en condition max, ou vous voulez un Bruno quasi-mode? Monte la garde, on monte la garde. Hein. On la tryhard, cette game. Hein. Cette game est tryhard. Allez, ça monte à une petite nuit de garde. On n'est plus à une demi-heure près. Ça fait déjà 7 heures qu'on est là maintenant. La nuit a été calme. Bah voilà. Eh bah, on démarre la petite nuit. À la fin, petite sardine pour le Bruno. Le Brunax. Là, le Brunax, il est bien. C'était trop tard. Le siège était établi. Nous étions déjà. Eh puis. Nous étions déjà isolés. Et tous les trajets vers ma ville étaient annulés. De toute façon, il était également trop tard pour faire quoi que ce soit pour mon ami. J'aurais dû. Mais ça fait 30 jours qu'il ressasse ça. J'aurais dû penser avant de lui donner un faux sentiment de sécurité.
J'ignore ce qui lui est arrivé, je ne le saurai probablement jamais. Ouais, lui, Bruno a été partisan du tout va bien, tout va bien. Bon, son ami est sorti dehors, elle a pris une balle dans la tête. C'est vrai que Bruno s'est beaucoup remis en question depuis, hein. Non, mais là, c'est ce soir. Là, c'est ce soir, Bruno avance d'un pas... Bruno a fini sa déprime, hein, c'est vrai. Hein. En vrai, on peut le... Bruno peut survivre tranquille. Non, Bruno est pas apte à survivre. Surtout que... Je tiens à ce que vous soyez prêts. Ça va pas être de belles images. On le sent, on le sait. Je me demande jusqu'où on peut aller, hein. Est-ce qu'on le fait suicider ou on le fait survivre? Parce que là, imaginez Bruno gagne la game. Imaginez Bruno gagne la game. Essaye de récupérer l'AK. Parce que ça serait beau, hein. Mais on se dit... On se dit que le moment où il n'y a plus d'espoir... Ah, il part... Il part la tête baissée. Tête baissée direct. Tête baissée à l'école. Il va rien venger du tout, il va crever direct. Ah, ça c'est... Ça... Quelqu'un essaie de nous voler, c'était un groupe de durs à cuire, mais nous avons réussi à les repousser. Oh Bruno! Par chance, nous étions tous armés. Ah Bruno, quoi. Aucun d'entre nous n'a été blessé et les agresseurs n'ont rien volé. Nous pouvons nous défendre nous-mêmes. Bruno, les gars. Bruno! C'est juste du no-bru, quoi. Enfin, c'est... Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. À ce stade, il nous enterra tous, le Bru-Bru. Ah non, mais Bru-Bru... Bah, Bru-Bru qui va se faire tranquillement un petit plat, là. Bru-Bru, en vrai, je peux le mettre sur quelques bons plats. Hein. Là, il y a bientôt, en plus, les petits rats, là, qui vont crever, donc... Tu as perdu tout le monde. C'était plus compliqué que ça, mais... En fait, Bruno a tué ses personnalités multiples et là, il gère de ouf. C'est un peu ça. Un peu chez père aussi, mais c'est un peu ça. Petite clope. Hop, Bruno s'est allumé un petit feu. Il a couru, hein. Ah, plus de clope. Bon, bah, on va aller se coucher, il est déjà 8h du mat. Allez. Il va dans la cave. Et boum. Ah, oh, je vais le faire bouffer, en fait, je suis con. C'est bien, il fait son sport. Il dit toujours nous quand même, c'est vrai. Comme quoi, si dans la vie on n'abandonne pas, on peut devenir comme Bruno. Mais c'est beau, hein. Mais pile au moment où il remonte, il y a quoi? Il y a les deux rats qui sont morts. En vrai, c'est sa première partie. Ouais, c'est ma toute première partie. Pff, non, mais tous les rameurs, là. Non, mais attends, c'est un signe fort, hein. On est genre... on peut aller au bout, hein. Bruno qui récolte. Free bouffe. À deux doigts de manger le rat cru, là. Merde. C'est pas grave. Et ça récolte. Elle est sympa la musique d'ambiance. Ah bah là. C'est quoi ça? Ah c'est non, on va garder les boîtes de thon quand même. Parce que qu'est-ce qui pourrait nous manquer là concrètement? Du bois? Allez Bruno, on va te coucher. Non mais en vrai, ça va être trop chaud de le faire finir. Avec ce hint massif sur l'école, quand même. Il y a eu un craquage, mais je pense que c'est ce qui nous a permis d'avancer. La nuit. Ah, oh, il a dit qu'il avait repris des forces. Ah non, Bruno, il monte la garde. Hein. J'ai peur qu'on se fasse buter, moi, dans la nuit. Je peux pas faire des bandages avec tes plantes, mes docks. Jour 36. Il semblerait que Bruno commence à se sentir mal. Bruno légèrement malade. Heureusement, pourquoi Bruno s'est réveillé? Bruno est somnambule ou quoi? Bruno s'est réveillé au troisième étage. Il dort au moins un. Non, non, mais ça va, c'est juste un petit... il a juste faim, hein. Et besoin de nourriture, hein.
En plus, il y a les rats qui sont encore crevés, donc là, on est vraiment cadeau, hein. Là, c'est cadeau, les gars. Oui, au moins deux, même, pardon, oui, c'est vrai. Il a monté la garde. Ah, c'est vrai. Ah, c'est bien vrai, c'est vrai. Ah, j'avais oublié, ouais. Je pense qu'on mange pas maintenant pour être sûr que Bruno soit au top de la forme sur les 30 prochains jours. On se check un peu la radio. Ça dit quoi? La famine et la maladie règnent sur la ville. Sauf pour Bruno. Il est en full abondance, il a tout. Il a full bouffe. La mort pèse lourd suite au manque de nourriture, d'eau potable et de fourniture médicale. Full médoc, full bouffe. On nous laisse penser que les soldats de la première internationale vont mettre un terme à la guerre civile dans les prochains jours. Mais non. Musique classique. C'est avec plaisir que nous avançons, le temps s'adoucit, la température devrait continuer à augmenter. Oh, c'est fantastique. Petite musique classique. Ah, petite musique classique avec des bruits de balles en fond. Allez Bruno. Hein. Ah, limite, autant le faire manger, hein. Autant le faire manger, hein. Vu tout ce qui nous reste, je préfère le mettre max, hein. Je préfère mettre Bruno max, je te le dis. Désolé Bruno, hein, commence à faire chier cette échelle j'imagine pour toi, mais il fait froid. Oh, 7 degrés, il le fait. Hein. Hop là, petite foulée. Je lui mets une petite bûchette. Il m'en reste combien? Mais il me reste 29. Mais Bruno, je t'en mets 3, Bruno, attends, mais là c'est soirée, c'est Père Noël là ce soir. Là Bruno, j'ai envie que tu fasses des rêves là. Cette... Regarde, regarde, il s'éclate encore. Récupérer ton stuff à l'école. Ça, c'est que quand Bruno va mal. Il monte la garde. Il reste. Jour 37. Allez. Juste faut... Mais on va se faire calacher un moment, non? La nuit a été calme. Ah, mais l'escroquerie continue. On va juste faire vite fait à bouffer. Ah, j'ai plus de... Ah, mais c'est pas grave, j'ai ça. C'est fou. C'est fou, n'empêche. Hop, j'en fais une douzaine. Il va reneiger, il va finir sur la rotule, Bruno. Non, parce qu'il y a du... On a de quoi faire du feu, hein. Les rats meurent tout le temps. Let's go, que j'aille dodo. Allez, je vais au plus vite, hein. Jour 86, Bruno est dans un transat, il fume des clopes dans le jardin. Il donne des conseils aux flics. Ah non, mais là, c'est... Hop, t'es mort à l'entrée. Non mais là je préfère garder la... tenir la garde. Hop, Bruno qui s'écu. Moi je suis d'accord que le scénario école m'aurait beaucoup tenté, mais là c'est trop beau. Ah, il y a quelqu'un. Oui bonjour. Regarde ce petit footing, il me bute ce petit footing. Qu'est-ce que vous voulez? Il va juste prendre des clopes. Bruno, c'est juste ton moment clope, là. Ah, il y en a pas. Ah non, c'est moi, ça. Ah bah, alors que là, il y a des... Il y a des maxi-rolls, là. Bon, qu'est-ce que je peux te donner pour ça? Ah, des diodes, hein. Marché conclu. Pour être bien stone, là, dans le canap, là. Ça te va, ça? Je vais quand même essayer de te gratter un petit peu de... Voilà. Discretos. Petite herbe. Petite herbe calée, là. De l'eau. Ah, l'eau, ça peut être pas mal, ouais. C'est vrai que c'est pas une connerie, quand, ce que tu dis, là. Après, c'est ce que j'ai là aussi. Ouais. Ouais. Parce que l'eau, en fait, c'est ce que j'ai plus là, là. Oh, je lui gratte 4 eaux. Oh bah, avec plaisir. Marché conclu, frérot. Tu reviens quand tu veux, hein. Tu peux en faire de l'eau. Ouais, mais on sait jamais. La faim.
de retourner auprès de ma famille. Ah bah vas-y, hein. Oh, il va se faire un petit pot-au-feu. Oh, le petit pot-au-feu. Oh, il se met max. Oh, il se met max. Il fait 18. Ah, mais c'est la folie, gros. Hein. Là, je suis à deux doigts de... je suis à deux doigts d'avoir la fibre. Hein. Ah non, pas pour toi, même pour Bruno Love sur Liberty Gotti. Il a une petite clope. Est-ce qu'il peut se rallumer des trucs? Ah non, il me manque du tabac original. Allez, petit repos. Aucune vengeance, aucun honneur pour Bruno. Ah mais la survie. La survie, c'est plus fort que tout. Bruno s'en est toujours battu les couilles de... Eh, honnêtement, c'est beau parce que ça aurait pas pu être plus roleplay. Bruno, on n'a jamais rien eu à branler quelque chose des autres. Hein. Depuis la première journée. Fais-le manger. Non, pas aujourd'hui. Bruno n'a pas mérité. Nous avons été pillés. Mais il s'est rien passé. Et là, il a faim. Et là, il se régale, là. Hop. Et là, direct, il mange et il va direct au dodo, tu vois. Il s'est juste fait sa petite gabelle la veille. Ah, c'est pas le boss, lui. Putain. Je te remets juste une petite braisounette. Histoire de... Clac. Et ça va se coucher. C'est fou, c'est fou. Vous me faites rire. Eh ben voilà, terminé la journée. Sympa, hein, non, le... Hop, monter la garde. Jour 39. Quelle vie, tu vois ça, là. La nuit était calme. Fin, bon, qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se fait? Fin, allez, pour changer un peu, on va se faire une barre, une petite... un petit peu de ton. Un petit peu de ton pour changer les plaisirs. La radio... On se met une petite bûchette quand même, hein, histoire de... Bruno, il dort 20 heures par jour. Ah non, la bûchette est pas passée. Allez hop, la petite bûchette. La musique classique. On nous laisse penser que les soldats de la paix vont mettre un terme à la guerre. La famille, la manière règne sur la ville. La mort pèse lourd. Devons attendre la température assez basse au cours des jours à venir. Ah! Bruno dans la sauce. Bruno en full sauce, là. Il dort pas, mais il dort la journée et la nuit, il guette. Si le message s'affiche pas à gauche, c'est que c'était déjà lu. C'est pas con, ouais, ça. Ça, c'est pas con du tout, hein. Et ça monte la garde. Ah, j'ai pas envie qu'il y ait un neige. Jour 40, allez, c'est bon. Libérez Bruno! La nuit a été calme, libérez Bruno, les gars. Besoin de repos, bah, il se recouche direct, Bruno. Commencez à l'emmerder, là. Oh, 10 degrés sur la fin. Jour 41. Nous avons été pillés. Eh, hey, mec, personne touche à Bruno, hein. C'est dingue, toujours. 11 degrés. Mais libérez Bruno, là. Se venger là, c'est trop mou comme fin. Non, parce que je sais comment va se passer la vengeance. C'est à dire que je vais cliquer sur un gars, le gars va me mettre de patates, ça va être fini pour Bruno. Et là, honnêtement, après tout ce qu'on a apporté à Bruno, ça me ferait chier. Ça me ferait chier, tu vois. Non, là, je vais cueillir mes petits rats. Si tu fais monter la garde, il ne dort pas en fait. Ouais, mais du coup, on se fait pas piller la nuit. Et comme ça, la journée, on peut pas se faire piller, du coup, il dort. Aisé. SDPZ. Et là, ça replante des petits rats. Moi, j'ai fait un élevage de rats. Et ça, c'est pas mal quand même. Et là, ça fait quoi? Ça va se jeter. Oh, ce gameplay, Domingo Replay, 8 heures de gameplay là. Avec écrit gameplay en titre. Il y a quelqu'un à la porte. Oh non, tu me fais chier, hein, tu me fais chier. Y'en a qui dort. Quoi? Pourquoi y'a deux personnes? Bonsoir. Oui, excusez-moi, vous m'emmerdiez. Ah, c'est pas pour venir me tuer, hein. Pour venir me tuer. C'est mon fils. Bonsoir. Enfin, faites un effort, je vais pas rester ici toute la journée. Je vais te faire enculer. Nous habitons à quelques pâtés de maison d'ici.
Comme vous avez trouvé refuge dans ce bâtiment et que nous allons être voisins, nous avons décidé de venir vous dire bonjour. Nous avons apporté quelques légumes de notre jardin. Oh lolo. Non, je veux pas ça, moi. Vous en voulez vraiment pas. Non, vous partez de chez moi, là. Moi, je dois dormir. Je dois dormir, moi. Non. Bon, ils sont partis. Ah, on peut enfin monter la garde. Ah, Bruno. Jour 42 de Bruno. La nuit a été calme. Oh, j'ai eu peur. Ah bah, on peut se faire une double nuit, hein. Là, qui... C'est creepy comme personne. Bah, c'est Bruno, hein. C'est... Ah, écoutez, voilà, ça a été un plaisir de... Oula. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà. Pour le gameplay de Bruno. Ah non, c'était... Nous avons aidé un homme à trouver des médicaments. On a sauvé une vie. Bruno the winner, hein. Je crois qu'on a pété le jeu, ouais. On a pété clairement le jeu, mais bon. Lundi 18h-22h, je vois que tu respectes tes horaires. Ah, on est là. Nous avons cambriolé un couple de personnes âgées 5. Je m'attendais à mieux, peut-être un petit message un peu cool. Un petit truc de fin un peu sympa. Un truc un peu fou, quoi. Un truc qui fait que ces 72 jours à chercher des boulons n'ont pas été vains. Putain, Bruno a survécu quand même. Domine, pour ta prochaine run, pense à stocker tous les items d'un lieu là. Voilà, je vais relancer là. Là, je vais voir si. Je vais voir en jouant un peu moins. Un peu moins gros, quoi. Tu vois, genre où ça peut aller, quoi. Si vous êtes chaud, on s'en refait une. Le coach. Peut-être un peu moins avec Bruno, ouais. Peut-être un peu moins. Peut-être jouer un peu plus Katia sur celle-là. À voir. Mathieu Longy. Oh putain, cessez-le-feu, ouais, cessez-le-feu, hein. Tant attendu, enfin arrivé, mettez fin au combat dans Pokoren. Les survivants de la guerre de Grasnavian l'oublieront jamais. Pour Bruno. Marco a reçu une tombe dérisoire. Peut-être que sa femme et ses filles la trouveront un jour si elles ont réussi à survivre elles-mêmes. Pavel est mort, sa famille reviendra-t-elle un jour sur sa tombe, ou ce sera-t-il trop douloureux de se souvenir de tout ce qu'ils ont traversé? Katia n'a jamais revu ses parents. Et pendant ce temps, après la déclaration de cesser le feu, Bruno est parti à la recherche de son ami. Son quartier a connu de violents combats, la plupart des maisons avaient été réduites en ruines, mais elle a trouvé refuge dans le sous-sol qui tenait en... Oh non. Ah, c'est Bruno en meuf. Elle a réussi à survivre tant bien que mal en mangeant des rails, en collectant des restes de nourriture. Bruno s'est senti responsable de son malheur. Non, mais ils sont là l'un pour l'autre, quoi. Tu sens qu'il y a une connexion, quoi. Tu sens que les mecs... Brunotte. Ah, bah voilà, hein, Brunotte. Eh bé. On aura bien rigolé, hein. Incroyable, quand même, hein.